Petite ville de la Roudoule, la Roumoule, la Redoute. Et la Bourboule, ça se trouve ouais. Là-bas. Et oui. Donc c'est ainsi que commence cette nouvelle aventure pour nous, le GR30. Belle aventure. Ouais, 200 km ensemble. Tout pile. Et voilà, des beaux paysages, des vaches, de l'eau, des lacs, des voilà. Prairies à perte de vue. Il y a tellement d'eau que normalement on se prend 3 jours de flotte sur la tête, normalement. Ce soir, normalement. Mais les gars de la météo, ils savaient pas qu'on arrivait. Hein. Ouais. On a choisi ce GR parce que c'est beau, tout le monde nous l'a dit, parce que c'est une boucle et que du coup en montant une voiture c'est plus facile, on a fait 6 heures de route. Ouais. Donc forcément une boucle c'est plus simple sur la gestion. Tout le monde nous a dit qu'on va bien manger, que ça va être super beau. Moi je vais goûter la truffade. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air trop bon. Moi, je goûterai tout ce que Lucas y goûte. Alors, regardez, quoi. Ouais, à peine on est sorti de la voiture, ben oui, on sent qu'on n'est pas dans nos forêts. Tout est vert ici. Donc déjà, des petites forêts de hêtres et tout, là, chez nous, il n'y en a pas des masses. Donc moi, c'est un de mes arbres préférés, j'adore. Je trouve ça majestueux comme arbre. Il y en a de partout, des sapins, c'est pareil, c'est que des trucs qu'on n'a pas chez nous. Même là, ça, je crois que c'est de la myrtille. Il y a les murs, il y a les fraises des bois qui sont là. Ben là, en montant, on a fait quoi, 300 mètres, là, et je me suis fait déjà quelques murs. Ouais, c'est cool, bonne période, il fait bon. Et même un peu frisqué, là. Si on passe les 3 jours de pluie, on a regardé la météo sur la semaine, il doit faire bon, il doit faire genre entre 20 et 25 la journée. Ça descend à 10 la nuit. Mmh. Normalement, quand on finit le GR, derrière, là, en Auvergne, ils vont se taper une semaine de canicule. À 35, ça. Donc, on arrive, ouais. Je pense qu'on a eu une bonne fenêtre. Bon, ouais. Faudra gérer la pluie, mais ça... Contrairement au premier GR, on s'était pris la canicule du siècle. Non, mais genre, on s'était fait GR 70, ouais. Elle était pire que celle de cette année, je crois. Là, on est parti de la Bourboule. Mmh. Il est 16h45. On a décidé de monter parce qu'il y a tout de suite une grosse montée. Et après, on va arriver sur un col. Donc, on verra arriver en haut ce qu'on fait, mais on veut au moins aller jusqu'en haut pour pouvoir poser la tente. Ouais. Et ce GR-là, on a acheté le livre de la FF Rando. Il n'y a pas d'étape de marquée comme sur le GR70, donc on fait les notes. C'est freestyle, ouais, ouais, carrément. On va se lever le matin. Là, on sait qu'il y en a qu'à 7 bornes, à 15 bornes. C'est ça. Donc on va voir jusqu'où on atterrit. Ce qui est cool, c'est que sur la carte IGN, j'ai l'impression qu'on voit au moins un lac par jour. Ouais, beaucoup d'eau en perspective. Et on vous rappelle que chez nous, c'est sécheresse de folie là, ouais, en ce moment, siècle, c'est sécheresse ouais. Partout. Ah, ouais. Ben, depuis 1963, on n'a pas connu ça. Le Verdon, c'est ça. Là, on arrivait en voiture, il y a de l'eau partout. C'est beau. Ça fait plaisir de revoir un peu de l'eau. On n'aime pas qu'elle nous tombe du ciel, mais on aime bien la ramasser. Donc, on monte gentiment vers un plateau. Alors, vous nous excuserez, les noms, on va les trépaner. Peut-être qu'au montage, je les rajouterai. Ouais, je pense que ça sera mieux parce que... Vous savez que nous, les noms de village, c'est pas notre fort. Quoi. Sinon, on va galérer tout le périple. Ah, on découvre en même temps que vous. C'est... Oh là là, ouais. Ça, c'est bien joli déjà. Putain, ça, c'est beau. Hein. Oh, la mousse, chez nous, a disparu en 1950, je pense. Mais Lucas, c'est quoi ce truc vert sur les rochers? J'en ai jamais vu, moi. Donc là, en ayant étudié vite fait les cartes, on a un plus 400 ou plus 500. On arrive sur un col, sur un plateau, et après il y a des espèces de plaines qui redescendent sur un lac. Voilà, on ne sait pas encore où on va s'arrêter. Lucas, il a la route dans les jambes, donc forcément, ça aide pas. Si vous n'avez pas vu notre GR70, j'en profite pour vous dire que le format de ce GR, ce sera une vidéo par jour. On va faire une vidéo par étape. Sauf cette étape-là, évidemment, parce qu'elle est très courte. Et ces vidéos sortiront une fois par semaine. Donc restez bien sur la chaîne. Et à la fin, on sortira un film complet du GR. Comme pour le GR70. Ouf. Donc là, on vient de monter la petite forêt qui est là. On était dans le vallon tout en bas, en fait. Donc on s'est fait combien 436. Ouais, de D+. Ouais. Après, en face, on voit d'où on va arriver dans 10 jours, dans 9 jours, dans 8 jours, on ne sait pas encore. Et là-bas, je pense que c'est le puits de Sancy, là, qu'on voit au loin, hein. Le pic. Ouais, le point donc, le plus haut. En gros, on va faire une grande boucle comme ça. On va arriver par derrière le plateau là.
on va remonter sur le pic Sancy et après on va longer toutes les crêtes pour descendre dans le vallon en bas et on est rentré. 9 jours. Bon, en attendant, ça, c'est magnifique. Ça, ouais, et ça, on vous redit, moi sur le papier, il ne m'a pas paru ouf le au niveau de la difficulté. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir marcher tranquille à notre rythme, se faire les restos quand on voulait se les faire. Ouais. Si on peut s'arrêter dans un village, visiter, il y a des trucs médiévaux et tout. Donc ouais, on y va. On et surtout vu, être dépaysé parce que nous on adore ça. Non, là, c'est trop beau. Et là la forêt, la forêt qu'on vient de se monter. La forêt est magnifique. Et là, tac, on sort du col, là, pof, et ben de suite, tout le coin il change. Donc deuxième visu différent en quoi, en même pas de 2 heures, et c'est ouais. Cool. Là, niveau géologie, on vient de passer dans du volcanique de partout là. Là, on voit presque des colonnes, des dieux. Là. Tu sais, en Islande, mais c'est pas encore exactement la même forme. Là, mais on voit très bien les strates et les colonnes. Allez, on se dirige gentiment vers le lac de Guéry. De Guéry, ouais. Il va falloir qu'on apprenne les noms un peu. G-U-E-R-Y. Bien joué. Ouais. Indescriptible. En français, ça veut dire indescriptible. Ah, la falaise avec les fentes de lave. Voilà. Voilà. On est passé au-dessus de ça. Et là, en fait, ben forcément, il y a des courants ascendants qui montent d'en bas. Et ben, il y a des faucons, cresserelles, je dirais, tout le long de la falaise. Là, ils profitent un peu des courants. Il y en a un, il était sur le bout de bois là-bas, sur la rambarde. On a pu approcher à 10 mètres. Et il a décollé avec un geste que c'est indescriptible, d'une aisance, le truc. Voilà. Il s'est laissé tomber dans le vide et il s'est mis à planer illico. C'est impressionnant. Il est là, il est sur le rocher là. Je ne sais pas si avec la GoPro vous le voyez. Il y a un rocher, il est dessus. Il est là, Lucas, il n'a pas bougé. Hein. Ben ouais, mais il y en a plusieurs. Hein. Tu vois, tout je fais bien le faucon. Ouais, c'est pas mal. Mon Dieu, mais ça fait au moins 70 kilos une vache. Oh, quoi, faut pas qu'elle nous charge là-haut. Est-ce que ça charge une vache? Non, mais un taureau, oui. Et il y a des taureaux, là? C'est possible, je ne sais pas les reconnaître. C'est ton bois qui a un gros paquet qui pend derrière. Ah. Non, c'est le taureau. Tiens, mets-toi de là, comme ça je filme, et que s'il y en a une qui charge, elle te tue à toi en premier. Ah ouais, cool. Toi, t'es un pote. L'avantage, c'est que si vous nous chargez, là, vous nous envoyez dans le vide directement. Donc, on ne fera pas long feu. C'est qui, Marguerite? Il y a une Marguerite, là, ici? Elles sont trop belles, quoi. Putain, je vais en caresser une, moi. Elles sont trop belles. Oh, pitchoune, hein. Pitchoune, viens. Pitchoune, oui. Ah, tu veux de l'herbe? C'est ça que tu veux. Ah, tiens. Là, elle est timide, Marguerite. Marguerite, elle va te mettre un chassé dans la tête, là, tu vas voir. Elle va mettre un coup. Tu vas lui donner de l'herbe, elle te dit, ton jeu de con, tu crois que je peux pas manger toute seule? Donc voilà, on a fait plus 613 là depuis qu'on est parti, sur peu de kilomètres, donc c'est monté vachement raide, ouais. Mais c'est quasiment fini. C'était la plus grosse montée, je pense, de tout le GR. À part le Sancy à la fin, c'est un plus 800, mais c'est vachement aménagé, ça a l'air assez étalé, quoi. Donc c'est cool, franchement c'est cool. Allez vache, qu'est-ce que vous pensez, vous? Et puis tu, là. On peut dormir ici avec vous, ou pas? Non, ouais. Oh, l'autre, elle me regarde de travers. Marguerite, viens, viens. Eh bien, viens me faire un câlin, viens. Non? Non, pas. Allez, ça va. On vous laisse tranquille. Ah, pas de mamelles. Ah si, petit mamelle. Alors, les vaches, ça a été tout le long. Les faucons, ça a été tout le long. Les beaux paysages, la terre meuble qui se soulève, ça a été tout le long, la folie. Là, et la forêt, après c'était les plateaux, après c'était la montée avec les hêtrés, là c'est que des sapins. Et là, Lucas? Et pff, les plateaux, là, comme ça, c'est magnifique. Et là, il y a le lac de Guéry. De Guéry. Donc, il y a 9 km de la Bourboule, contrairement aux 6,5 km qu'il y avait marqué en bas. Ouais. Les métrages ici sont un peu chelous quand même. Avec la belle lumière là, le soleil là, il est en rasant. Bon, il va pas falloir qu'on tarde pour trouver un camp. 9 km Lucas, et plus 660. Mm. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter, nous. Ouais. Pour ce GR30, et demain on rentre à la maison. Voilà. Je pense qu'on a tout vu là. Cette première journée là, je pensais pas que ça allait être si beau. Ouais. Tout de suite comme ça. Le lac il est impressionnant là-haut. C'est pas une mare, quoi. C'est un vrai lac. C'est un lac. Voilà les gars, donc nous on descend vite, on tourne, donc on n'est pas. Donc on va tourner vite fait autour et chercher un beau plat et s'installer tranquillement. Il est 20h.
Donc voilà, ouais, on peut poser la tente tranquille. Je vais sortir de là, Lucas, parce que... Ben, ça y est, l'autre, il panique, c'est... il croit qu'il a des tics de partout, l'autre. Maman. Moi, les tics, c'est ma hantise. On va vite chercher un spot pour s'installer, essayer de trouver un truc propre pour manger. Ciao. Et c'est ainsi qu'il repartit pour une deuxième journée de randonnée. On vient de finir notre première nuit au bord du lac de Guéry. Yes. Quand on vous a quitté hier, on a fait 100 mètres et on est tombé sur un camping-car. Et Lucas, il s'est mis à brancher le gars, c'était des jeunes. Hein. Lucas, le mec, ouais. Il sort, Lucas, il lui dit « Oh, c'est l'heure de l'apéro !» Le mec, il nous regarde, il fait « Oh, vous voulez une bière ?» Du coup, on a blagué pendant une bonne demi-heure facile. Trop sympa, c'était des Bretons. Ils étaient en road trip dans le coin. C'était Hervé et Rezan, je crois, un truc comme ça, pardon. Ils nous ont dit « Ben, on vous met la photo. » Ouais, c'était cool, franchement. Belle rencontre. Là, vous voyez en fond le lac de Guéry. C'est hyper beau. Il y a de l'eau partout. Pourquoi tu chuchotes? Parce qu'il y a peut-être des gens qui font de l'eau. Bonjour. 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 Ah, ça serait bien que tu parles toujours comme ça, en fait. Toujours doucement comme ça? Ouais. Non, c'est pas possible. Bonjour. 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 Ça, c'est depuis hier. Je sais pas ce qui se passe dans ouais, les jours. Tout le monde dit bonjour, c'est trop bien. Pour nous, aujourd'hui, c'est étape au soleil. Et on refera le point ce soir, parce que ce soir, ça risque de se gâter. Ouais. Et voilà ce qu'on quitte. C'est... Et alors, ce qui est fou, c'est que depuis hier soir, en marchant comme ça le long du chemin, on a vu des dizaines de ruisseaux. Qui tombe dans le lac, dans le lac, donc il y a de l'eau partout, c'est... Ouais, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. C'est excellent. Donc là, on vient de passer notre premier col de la journée. Là, on est sur un plateau. Donc après les vaches, les moutons, qui sont derrière là. Qui sont pas parqués, en fait, il n'y a pas de patou. Hein. Ouais, il y a des barrières un peu de partout, mais... Non, pas de patou. Mais il n'y a pas de chien, ouais. Bah, il n'y a peut-être pas de loup ici. Mais y a, d'ailleurs, il n'y a pas de barrière non plus, là. Regardez, il pourrait tomber là. Ça tombe pas les moutons. Ça tombe pas les moutons. Ils doivent être plus intelligents que les nôtres. Les moutons chez nous. Les moutons, ça tombe pas. Ben quoi, l'alcool, c'est pas cool. Je peux vous dire, vous voyez, c'est le début du film du GR30. Je vous dis tout de suite que jamais de la vie on arrivera en photo et en vidéo à rendre justice à ce qu'on a vu en un jour et demi. Donc là, vraiment, déjà, on s'excuse et vraiment, on fera le point à la fin, mais il faut venir voir ça, c'est incroyable. Donc là, on a une vue sur un puits, Lucas. C'est un rafale, quoi. Un rafale en exercice, cool. Le puits de Dôme, là-bas. Le puits de Dôme. C'est pas le plus haut, mais c'est le plus connu. Donc on vient de vérifier, c'est pas le plus haut. Ouais. Non, le plus haut, c'est le puits de Sancy, qui est juste derrière, à l'autre côté. En fait, on voit les deux, c'est ça qui est bien ici. On est au milieu de tout ce tronc. C'est incroyable. Donc le puits de Sancy, celui qu'on va gravir à la fin de notre GR, c'est le plus haut, volcan de France. De France. Et c'est le point le plus haut de l'Auvergne aussi, point culminant. À 1885, je crois. Moi, Lucas, je vais te dire un truc, je suis tombé amoureux de l'Auvergne. Ben, franchement, ouais. Et encore, on n'a pas goûté encore les plats d'ici. C'est ce que j'allais te dire, on n'a pas mangé. Quoi que ce soit. C'est ça. C'est exactement ce que j'aime, des forêts, des espèces de monts, de vallées, là. Ah, pour l'instant, tout nous plaît, ouais. Ah, c'est trop beau, trop beau. Tout nous plaît, c'est magnifique. Auvergnat, vous avez bien de la chance, quoi. Ouais. Les points de vue, ils sont carrément ouf. On s'arrête. Il y a plein de trucs différents, c'est génial. Ce qui est incroyable, c'est que on peut pas le faire en speedrun, là, le truc. On s'arrête toutes les 5 minutes, on sort le téléphone, je le regarde, il fait une photo, j'étais en train de faire la même. Moi, je sais même plus, on sait même plus ce qu'on fait. Ah, c'est un truc de fou. Même les gens, ils sont super sympas, quoi. Ouais. Ils disent tous bonjour ici, c'est tout super. Tout le monde nous a dit bonjour, sauf les Parisiens. Parce qu'on demande aux gens, quand ils nous répondent et quand ils ne répondent pas, on demande d'où ils viennent. Et ceux qui nous ont pas répondu, c'était Parisiens. Ah ouais? Bah, y a beaucoup de marcheurs. Bah, tu vois que c'est pas forcément des locaux, hein. Après, le Mont d'Or, c'est connu pour les cures thermales et compagnie. Là. Donc, c'est une région où il y a du monde. Il y a un peu tout. Il y a même des vététistes. Il y a des ramasseurs de myrtilles aussi, on a vu. Tiens. C'est la première fois qu'on en voit. C'est la fin de saison, là, donc elles sont un peu sèches et tout, mais il y en a encore un petit peu à ramasser. Donc, voilà le chemin, les amis. Vous le voyez à l'écran, là. Il part par là-bas, vers le lac de Servières. Le lac de Servières, il est à 4 km d'ici. Après le lac de Servières, on monte vers Récollen. Et après Récollen, on va vers Eida. Et comme on vous l'a dit, on n'a pas d'étape, donc on ne sait pas trop où on va s'arrêter. Mais là, on marche sur un truc, là. J'ai l'impression de marcher sur un matelas. Ah, c'est trop beau. Et la terre est toute noire ici, c'est trop marrant.
Bon, mais petit arrêt au bord du lac de Guéry. Servières. Servières, bien. C'est celui d'après. Ça va, tu suis. Lac de Servières, où si vous venez faire le GR, là, et si vous arrivez à pousser jusqu'ici, selon quelle heure vous démarrez, il y a des spots de bivouac partout. Ouais, là, il y a des plats. Il y a du plat partout, et c'est... On va arrêter de dire que c'est beau. C'est... Venez voir, c'est le mieux. Incroyable. Donc là, on fait des plateaux. Petit plateau, après on suivait un peu des lisières et tout, et là, arrivée, belle descente dans la forêt. Ah ouais, la descente était et magnifique. Et on arrive en hauteur sur le lac et tout, c'est super beau, franchement. Magnifique. Alors Lucas, ouais. Tu as un petit truc à nous présenter. J'ai fait un petit projet avec ma copine. On a créé un petit galet, vous savez les galets qui sont en voyage. Bon, celui-là, on va le laisser sur le GR30. Bravo, partagez-moi en photo sur le groupe Le Refuge des Trekkers GR30. Donc on l'a créé exprès pour notre GR30. Et un petit autocollant et trekker, hashtag 1, parce que c'est le premier qu'on fabrique. Donc on va le cacher ici, autour du lac, là, vers là où on est. Et si vous le trouvez un jour, ben faites une photo avec et vous me l'envoyez sur le groupe, et sur laissez-le, la page. Laissez-le pour les autres. Et laissez-le, ouais. Voilà, ça nous fera plaisir de voir que vous êtes passé derrière. Donc les gars, essayez de vous repérer. Regardez, la descente vers le lac de Servières, elle est là. Vous arrivez, le lac de Servières, il est là. Nous, on est sur ce spot de bivouac où il y a ce gros tronc d'arbre. Je le mets là-bas, regarde. Un peu à l'écart. Allez, on se croirait dans l'épreuve d'orientation de Koh-Lanta. Il est au pied de la souche en mousse, les gars. Vous le voyez? Vous l'avez vu? Et bon, c'est caché. Les gars, essayez de le laisser sur place. Prenez-le en photo, c'est cool. Vous le laissez au même endroit pour les autres. Et c'est une très bonne idée qu'il a eu Lucas. Je l'ai découvert hier, qu'il a eu Lucas avec sa copine Adeline. Oui. C'est bien d'avoir mis un numéro parce que ça, je pense qu'on va le refaire à chaque fois. C'est rigolo. Ouais, ouais. On va lancer un petit jeu concept. De piste. C'est un petit concept de GR ou de rando. Et bientôt, on vous cachera des ziplocs avec dedans des billets de 200 euros. Ouais. Bon, pas encore. On a encore croisé quelqu'un avec qui on a discuté, et c'est quelqu'un qui nous suit sur la page. Il est venu nous voir, Fabien ouais. Qui va jusqu'à Clermont-Ferrand. Il doit y être demain, donc il lui reste encore 45 km à faire. Ça fait super plaisir, forcément. Ouais. On a parlé rando et tout. N'hésitez pas, si vous nous voyez, on ne mord pas. Non. Enfin, moi, oui, des fois, je mords, mais que le soir de pleine lune. Le ciel se couvre. Et oui. Le temps se gâte, mais les carottes sont cuites. Tu sais qu'il fait bon, là. Il fait presque frais. Il fait c'est un trop truc bon. De fou. Il fait trop bon. Trop bon. C'est le temps idéal pour marcher, franchement. Moi, je suis amoureux de l'Auvergne. Je suis à deux doigts, là, je rentre, je vends tout, je prends la femme et les minots, je reviens ici. Je vais faire fabricant de fromage. J'ouvre un gîte. Le gîte des trekkers. Bon, les gars, on vous montre une dernière fois ça. Mais on va pas vous montrer tous les paysages. Il y en a beaucoup trop. Il nous faudrait un film de 20 heures. Moi, je vous le dis, on va pas tout vous montrer. C'est ultra beau. Tout nous casse la tête. Donc, vous venez, c'est tout. Ah oui, de toute façon, il faut venir. C'est l'expérience de la vie. Oh, parce que le virtuel, c'est bien, mais le vrai, c'est mieux quand même. Exactement. Bon, le virtuel, c'est bien aussi. Si vous voulez partager la vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir en virtuel, ça nous fait plaisir aussi. On a beaucoup descendu pour passer devant le village de Orcival. Ouais, des pistes assez monotones, mais pas, ça faisait un peu Stevenson. Ouais, mais pas dégueulasse non plus. Mais bon, forcément moins beau que ce matin. Ouais, ouais. Après, on a toujours un paysage de fou autour, hein, ça y a pas de souci. Hein. Bah là, c'est plus campagne, ça fait moins montagne un peu. Là, c'est plus la cambrousse, là. Avec des pistes un peu déroulantes, là. C'est un peu moins confort que ce matin aussi. Bon, on a les nuages derrière nous, là, vous les voyez. Ils arrivent, hein, ils arrivent de ce côté-là. Je tiens à préciser, je tire mon chapeau à Lucas, qui m'a fait découvrir, parce que je pensais que j'aimais pas ça. Donc, en fait, j'avais jamais goûté, parce que je suis un con, parce que vous savez qu'il faut tout goûter. Hein. Lucas, il m'a fait découvrir la mûre. Et moi, dans ma tête, c'est pas tout est pas bien en ordre dans ma tête. Je croyais que c'était de la framboise, tu vois, je voyais la mûre comme de la framboise. Et du coup, j'ai mangé une mûre, depuis j'en ai mangé 2,5 kg. En fait, la mûre, c'est un mix entre la cerise et le raisin, et c'est trop bon. Il y en a tout le long, ouais. Oh, bah, regarde cette grappe-là, ma bébé. Mais c'est bestiaux, quoi. Donc autant vous dire qu'on se la régale. Alors pour manger la mûre, il faut un peu la frotter dans les doigts comme ça. Et après il faut la rouler sous les aisselles. Après vous soufflez un coup. Ah non, vous soufflez un coup. Et hop, vous la mangez. Et paf, vous la mangez. Bon, moi j'ai pas fait tout ça tout à l'heure, je l'ai prise, je l'ai mangée.
Les copains, deux jours sur le GR30 nous ont suffi à le valider. On lui met le tampon. On ne peut pas créer un label comme THX, tu sais. Ah ouais. Le GR30, il est validé complètement. C'est trop beau. Il me tarde de voir la suite. Voilà, nous on avance gentiment. Il est 14h30. On a fait 14 km là. On s'est arrêté, on est parti tard et on s'est arrêté. On a fait une bonne pause au lac de Servières pour profiter un peu, hein, vous le savez. On fait des pauses, tout ça. Hein. Tu veux aller loin, ouais. Ménage sans monture. Bien Malaki ne profite jamais. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà. C'est ça les tricots compulsifs, les gars. C'est du proverbe. C'est de la culture. C'est de la conjugaison. En bas, il y a un beau château là, mais là, vous ne le verrez pas la caméra. Caché là-bas. Ah oui, très loin. Ouais. Un petit avec coup son de zoom. Petit jardin de cyprès. Voilà, l'image toute pixelisée, dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Et Orcival, on s'y est pas arrêté, on est passé au-dessus, on voyait le village en contrebas. Ouais. On s'y est pas arrêté, mais par contre, c'était. Il y a une super belle église, tout en pierre volcanique là, elle était magnifique. Il est là-bas, Orcival. Le château de Cordès, 945 mètres. Ah, c'est un compagnon de Bayard et de Gaston de Foidemort. En 1512 à la bataille de Ravenne, justifia sans doute l'érection du premier château dès le 12e siècle, reconstruit à la fin du Moyen-Âge. Il allait ensuite être dépouillé de sa rudesse militaire par Emmanuel Allègre au 17e, 18e siècle pour l'adapter au goût aristocratique du grand siècle. Celui-ci s'ouvrit de grande baie, donc plus défensif en fait. Supprima les machicoulis, devenu inutile et orna des salles. Supprima les machicoulis. Ouais, tu sais, c'est le portail là avec les. Oh. C'est la herse là, tout ça là. Oh, j'aime bien ce mot, machicoulis. Hmm, ça fait un peu japonais, machicoulis. Machicoulis. Et nous reprîmes la route, les gars, au milieu des murs et des vaches, et c'est un régal. Et on se régale. Donc ce soir, je vous ai dégoté une superbe ferme du 17e siècle en rénovation. Avec une charpente de d'époque. C'est trop beau, châtaignier, quoi. Mais grave. Non, en fait, il flottait grave et on cherchait un abri et tout. Et donc, on arrivait à Récollem, là. Récollem. Récollem. Ouais. Et il n'y a rien, en fait. Il n'y a même pas un resto. On voulait se faire un resto soir pour être un peu à l'abri et tout. Rien que dalle, pas de bar, rien. Et du coup, j'entends un tracteur arriver et voilà, j'interpelle le conducteur, c'est un jeune. Et je lui dis, ah, on cherche ça, ça. Il me dit, ah non, il n'y a rien. Et je fais, bon, mais si vous voulez un abri, par contre, j'ai ma grange. Je fais, bah, il fait, venez voir, je vous montre. Et on arrive, et il nous montre ça. On fait, bah, vas-y, direct, c'est bon. Il a dit, restez vendu. Là, les gars. Et du coup, il nous fait, non, mais attendez, bougez pas, les gars, je vais vous chercher les bières. Il est allé nous chercher deux Heineken. Tout à l'heure, à la sortie d'un petit bled, il y avait une côte, en haut de la côte, on arrive dans un tout petit truc, il y avait trois maisons, et il y avait un beau banc avec une table couverte, on s'est posé peut-être une demi-heure, et là on a vu revenir Fabien, dont on vous a parlé tout oui, à l'heure. Carrément. Donc Fabien, il arrive. Alors qu'on en fait, croyait qu'il était à Babalo. On croyait qu'il était beaucoup plus loin. Il s'était arrêté au village d'avant pour prendre sa place de train. À Orcital, là, c'est où? Orcival. Orcival. Il s'était arrêté et nous, on n'a pas été à Orcival, on vous l'a dit. Et du coup, on l'a vu arriver. Donc il est resté avec nous, on a discuté. En fait, Fabien, il est parti du Cantal et il va jusqu'à Clermont-Ferrand. Ouais. Et donc la suite de la route, on l'a faite avec Fabien jusqu'ici, jusqu'à Récollem. Ouais. Où lui il a continué parce qu'il doit aller au pied du mont du Puy de Dôme. Ouais, les timings pour récupérer le train de demain à 15h à Clermont. Et, donc, Ouais, c'est super timing. Et nous en fait, ce qu'il y avait, c'est que on a vu la météo. Donc là, il y avait un peu de pluie et ça allait s'arrêter. Donc effectivement, ça s'est arrêté et ça risque de reprendre. Truc, on peut très bien dormir dehors, mais on s'est dit si on trouve un abri, eh ben on jette le matelas parce qu'il fait pas froid. On jette le matelas dans un abri, on évite de mouiller la tente et comme ça, les trois jours de pluie, on va arriver à jongler. Super bien quoi. Et puis même dormir dans une ferme en Auvergne, c'est pas tous les jours qu'on pourra le faire. C'est clair. On finit la journée avec 23 km, peut-être plus 600 pareil. Ouais, quand même. C'était une bonne journée. Il y a eu des bonnes pentes, il y a eu des bonnes dénives. Le GR30, c'est le cœur du poulet, Lucas. Ouais. Voilà les gars, on a été chercher de l'eau juste au-dessus là dans le village, vers là-bas. On se fait à manger, il est 19h30 à peu près. On vous refait juste un point les gars sur les plats RIL. Parce qu'ils sont atomiques. Ce soir, moi, c'est poulet et curry. Lucas, c'est du porc au riz. Et hier, on en a mangé deux qui étaient excellents. Ouais, pâte vegan, mais on a dit que c'était une bolognaise, en fait. C'est ça qui est trop bon. C'est vraiment d'excellents plats. Confirmé.
Et donc voilà ce que ça donne une fois réhydraté. Les gars, vous pourrez certainement pas voir là, mais il y a les bouts qui sont dans les plats Real Turma. Là, par exemple, c'est du poulet. Les bouts de poulet sont énormes. Une dernière chose, les gars, le mec qui nous prête la grange, il vient de revenir en voiture. Ah ouais. Il vient de revenir. Vu le morceau. Il nous a porté. Il a dit, les gars, je vous ai porté un bout de 5 hectares, comme ça vous pourrez goûter. Le bout, il doit faire un kilo, quoi. Il a dit, mais tu es revenu exprès? Il a dit, non, mais je vais être à côté. Mais qui a dit que les Auvergnats, c'était pas sympa? On se demande bien. C'est le top, quoi. L'Auvergne, c'est le top, quoi. Voilà, bon, nous, on se la régale et du coup, on va se finir avec un. Il nous a porté 500 grammes de 5 hectares. Oh, c'est trop bon, quoi. Allez, bonne nuit. Bonjour. Après Lucas, une nuit calme. Qui a dit qu'en Auvergne il faisait pas beau, hein, dans ce temps? Ouais, ben là, c'est vraiment le soleil après la pluie. Là. C'est même pas de la pluie qu'on a eu, c'est un orage, messieurs-dames, mais j'ai jamais vu ça. Et encore, on était dans la grange, c'était une discothèque. L'orage s'est venu à côté, c'était rien. Ouais. Il devait tomber en éclair toutes les 10 secondes. Ah ouais, pendant 2 heures. Pendant 2 heures, à 4 heures du matin. Pluie de fou. Moi, j'avais étalé toutes mes affaires, tous mes sacs qui étaient dans l'eau. Bon, on était dans la grange, on était bien. Donc, on a sauvé les meubles. L'orage, si on avait été dehors, bon, on n'aurait pas pris l'eau, mais si on avait été dehors, ça aurait été... Plus inquiétant encore. Donc là, on part vers Eda. On devrait rencontrer une membre de la page qui nous suit depuis très longtemps, Fanny, qui nous attend sur le chemin. Eda, c'est à 12 km. On s'est dit, on fait Eda, on se pose le midi parce qu'il y a plein de restos et tout. On essaye de trouver un resto là-bas. Voilà, aujourd'hui c'est la journée un peu délicate où il doit y avoir de la pluie l'après-midi. Mais bon, bonne nuit, fromage, bière, découverte d'un type sympa. On n'est pas trop mal. Et là on est dans le village de Récolen, c'est tout petit. Ouais. Il y a deux gîtes, il y en a un là. Ouais, il y a de l'eau dans le village, à filtrer. Oui, toute l'eau. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto par contre. Il n'y a rien. Oublié. Splendide. Ouais. Magnifique. Allez, on fait le point d'eau et on décolle. Voilà, on prend un litre d'eau chacun parce que avec tout ce qui est tombé, on aura de l'eau. On prend un litre d'eau chacun et en direction de Eda. Sous ce beau ciel bleu. De Provence. Sous ce beau ciel bleu temporaire, le gars. Qui ne saurait durer, quoi. La souris morte dans la fontaine. Où ça? Au fond, là. Oh, un muskin. Nous partîmes de Récolen ce matin très tôt, vers à peu près 8h. Et on a rejoint Fanny qui nous attendait. Fanny qui nous a rejoint avec des croissants. Ouais. Pour les autres qui voudraient. Ça tombe bien parce que ce matin on n'avait pas fait le petit. C'est pas faux. Fanny, elle nous suit. La chaîne, elle a 7 ans. Fanny, elle nous suit depuis 8 ans. Et du coup, elle était tellement contente de nous voir qu'elle nous a dit on va pas faire le GR30, on va faire une bifurcation. Je vais vous faire monter en haut du volcan. D'un truc parce que l'étape du jour elle était trop facile. Là-haut, il y a de la vue à 360.
Ça, ça nous plaît. Ça. Ouais. Ouais. Mais ça fait quoi? Ça monte, ça descend et après ça redescend vers Eda ça quand même. Monte, ça monte, ça descend, ça remonte et ça redescend et après c'est tout plat. Voilà. Les deux sont enchaînés, c'est une boucle qui fait les deux et on récupère le temps. D'accord. Coup, on peut pas en faire qu'un quoi. Voilà, et on a une belle fenêtre météo. Ouais. Qu'elle ne devrait pas durer. Ouais. Parce qu'on vous rappelle qu'on est en Auvergne. Ouais. Ça fait un mois et demi qu'il ne pleut pas. Vous arrivez, il pleut. Ouais, je ne sais pas ce que vous faites. Merci Fanny, parce que si tu n'étais pas venue, on ne l'aurait pas fait. Donc on a fait un petit détour. Et ça vaut le coup. Ouais. Ah ouais, on a grimpé officiellement un volcan. Et ça, ça déglingue. On va même pas vous faire la liste, mais juste le Sensi, il est là-bas. Et on arrive de là-bas. Et on va continuer et par on là. Fait une grosse boucle tout là-bas, là-bas. Donc là, c'est un volcan, là-bas, c'est un volcan, Devenons un peu intéressants, montrons aux gens qu'on n'est pas des clowns. Ah. Présente-nous une bombe, Lucas. À part Fanny. Une bombe géologique, on va dire. Eh ben là, ou là. Donc, aspect un peu rond, lors d'une explosion, elles sont propulsées en l'air, elles refroidissent en l'air et du coup, elles gardent cette forme ronde. Fanny à la caisse. Et c'est ce qui est très dangereux lors d'une éruption, parce qu'on peut se prendre sur la gueule, en fait. Voilà. C'est pas haut, mais la vue, elle est c'est pas monotone et tout. On est à 1177 mètres. Voilà. Ce qui est génial, c'est que là, c'est, tu vois, il n'y a pas une herbe, c'est vraiment un minéral géologique de fou. Et là, on tourne, et là, c'est vert de fou. Ouais, c'est très, très vert. Le contraste, il est... Là où on est grimpé, on a grimpé. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est... Ouais. C'est ah ouais, voilà, je ne les voyais pas. Donc on a grimpé, je vois... Tout ça, là, ouais. Pas, là, toute la pente on a monté rouge, toute là, cette côte-là, là. Ouais, c'était un mur, quoi. C'est quand même un petit peu raide. Ouais, ouais, ouais. Fanny, elle a dit, je vais les finir. Quoi. Après ça, on est prêt. Demain, on fait 50 bornes. Quoi. Mais il y a des puits, là, on voit bien la forme des cratères et tout, quand même. Ouais. Le puits de Gaume, d'ailleurs, c'est en fait un cratère dans lequel, ensuite, ça a re-explosé, ça a fait un dôme. Il est là-bas, le puits de Gaume. Donc on voit. Avec l'antenne blanche. Ouais. Là. On a une pensée pour Fabien, le jeune qui a marché avec nous hier, parce que quand on l'a quitté, il pleuvait fort, il lui restait 8 km à faire et il dormait dehors. Il s'est pris l'orage sur la tente. Et là, ce matin, il repart, il doit prendre passer le puits de Dôme et aller à Clermont. Donc Fabien, merci d'avoir fait un petit bout avec nous et on a pensé à toi cette nuit. 10h30, et autant il est là-haut déjà, lui. Ah lui, c'était une machine. Oui. Donc, en haut du puits de Dôme, c'est une station météorologique, ils font des tests de réacteurs d'avions, Airbus ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais, parce que les conditions climatiques sont telles que ça, c'est favorable à ce que peuvent connaître les réacteurs d'avions dans le ciel. Il y a tellement de brouillard en fait là-haut que c'est comme s'il y avait des nuages. Ouais. Très intéressant. Ah, vous vérifierez l'info. Hein, mais... Ah non, nous on vérifie rien. Ah ben nous, tu le connais. Nous on balance des infos, c'est les gens qui vérifient pour nous. Donc si Fanny dit des bêtises, allez la fracasser sur son compte. Et on remonte ça pour aller voir celui-là maintenant. Ouais. On en fait 10 d'affilée. De... On fait toute la chaîne des pluies jusqu'au Sensi en fait. Regarde, on va faire ça tout le long. Ouais, bon. Vous allez voir plein de lacs. On peut pas tout faire en même temps. Dont des lacs de cratères. Ouais. Le Chauvet s'en est, je crois. Serrière, Chauvet, Pavin. Il y en a pas un où l'eau elle est dangereuse, on peut pas se baigner. Au Pavin, tu te baignes pas parce qu'il est très profond. Ouais, mais on s'est nagé nous. Non, mais je crois qu'on brise ça parce que j'ai appelé les offices de tourisme. Il m'a dit le Pavin, on peut pas se baigner, non. C'est interdit parce que c'est très profond. Mm. Alors je me suis dit, ok. Et à la mer, c'est profond aussi. Enfin... Non, mais après, il y a peut-être des monstres. Bienvenue en Auvergne où le Loch Ness réside. Donc, moi, je croyais qu'on était à la masse avec le lac de Sainte-Croix et les légendes qu'on raconte, mais en fait, ils sont bien fatigués ici aussi. Il y a un lac trop profond pour s'y baigner. Vous ne baignez pas, c'est trop profond. On peut se baigner, madame. Oh, mais Il y en a un qui s'appelle Montsinère. Tu n'as pas le droit de te baigner dedans parce que c'est une réserve d'eau pour la ville d'Issoire. Ah voilà, bon ça se défend. Mais le samedi tu peux t'y baigner. Non. Le samedi soir. Tu peux faire du pédalo dessus. Ah voilà. Et alors si tu tombes, on te met une amende. Ouais. Si tu tombes, tu peux pédalo. Interdit. C'est 900 euros monsieur. Volcan que nous descendîmes. Parce que tout ce qui monte redescend. Ça c'est évidemment. C'est Fanny qui nous l'a dit ce matin ça. C'est la descente. Je vous le dis parce que je vais pas gueuler, on est en Auvergne, mais j'ai vu des touristes monter ce qu'on a descendu avec des Stan Smith. Et moi, avec les chaussures comme ça, j'ai glissé. Mmh. Alors le mec qui a attaqué la montée en Stan Smith. Ah, de fou. Hein. Et en plus, il avait draché la veille, c'est tout dégueulasse. Alors très beau point de vue. Donc merci encore une fois Fanny pour ce détour qui valait le détour. Avec plaisir.
Et là, on arrive à Eda. Et en fait, à Eda, Fanny, elle a appelé pour nous réserver un resto. Que pour nous. Donc, dans le resto, il n'y a que nous. Et quelques touristes. Et quelques touristes qu'on va mettre dehors grâce à notre odeur phénoménale. On va manger donc de la truffade. Ce matin, on s'est dit avec Lucas, viens, on ne se fait pas de petit-déj. On a juste bu un café parce qu'on savait qu'on serait vers midi à Eda et qu'on allait se casser le bide. Mais c'est le cas. Et après, mine de rien, vous nous voyez discuter, mine de rien, mais regardez quand même dans quoi on marche. Je veux pas narguer les gens, un petit peu quand même. À noter qu'on a pris une petite averse tout à l'heure quand même. Ah oui. Oui. Juste pour me faire chier au pied du volcan. T'as les gros plans. Ah oui, alors les gros plans avec la GoPro, c'est pas forcément. C'est pas ce qui met le plus en valeur, tu te doutes quoi. Est-ce que vous êtes là? Fanny nous tendit un traquenard. Parce que depuis le début, elle nous disait non, mais la truffade, vous comprenez? La truffade, c'est léger et tout. Mais en fait, la truffade, une fois que tu l'as mangée, c'est comme ça. Tu es obligé de t'allonger par terre et tu souffres ta mère en pour fait. Pour pas rouler quoi. Ah, c'était bon, hein? Ouais, ouais, c'était bon. Mais. Bon alors, changement de programme. Mise à jour. Alors écoutez, là, on est à Eda. Il y a un orage qui arrive demain, qui va massacrer toute la région. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Fanny, elle va nous déposer, elle nous enlève de Eda et elle va nous déposer à Saint-Nectaire. Comme ça, demain, on est à Saint-Nectaire et on peut repartir après l'orage. À zéro. Et gagner du temps. Parce que sinon, la journée de demain, elle risque d'être dead. Intelligent. Prévoyant. Parce qu'on est ric-rac, et si on se fait marave la journée de demain bloqué sous la pluie, on est mort. Donc, on préfère prendre les devants. Lucas, t'es dirais un clodo comme ça, là, tu vois. Je suis un clodo. Avec ton sac, j'ai envie de te jeter une pièce de 10 francs, tu vois. Ah, si vous voulez voir un beau film sur l'Auvergne. Et comment tu sais qu'il est beau? Pour le Cantal, j'en sais rien, j'ai pas vu. Ça va être une tripe, encore. Ben, vous allez voir ça, la folie fermière, là. Voilà, au cinéma le 11 mai. Au 11 mai, mais attends, il est sorti ici. Il est déjà sur Canal Plus, fanage. C'est bon, ok, c'est pas une nouveauté. Ah, il y a le taxi. Voilà Philippe qui va nous amener à Saint-Nectaire. Mais je crois qu'il ne le sait pas encore, non, ça non, surprise. Il nous amène pas à Saint-Nectaire, c'est moi qui vous ai. Ah non, c'est Fanny qui nous amène à Saint-Nectaire. Ouh. Allez, la suite du road trip au prochain numéro. Allez, c'est parti. Sacré GR30. Bon, ce soir, attends. C'est un peu mieux. Hein. On est un peu plus confortable que dans la grange. On a goûté la fameuse truffade. Mamma mia. C'est pas meilleur que la raclette, mais... Voilà. C'est ultra bon. C'est bon, c'est très bon. Avec moi, du vrai jambon en plus d'Auvergne. Ouais, je vois, ouais. Il était scié à la machine oui. Et tout. Là. Tu vois. Avec le tome, là, tu prenais les patates, tu faisais ça, tu tirais des fils d'un kilomètre quand ça lâchait, ça s'entourait autour de la... Ouais. Donc, on a mangé au lac d'Eda avec Fanny. On a mangé avec vue sur le lac, c'était top. Donc, Fanny, elle nous a bien accompagnés aujourd'hui. Elle nous a fait faire un détour pour nous montrer le puits de la vache qu'on voyait sur les cartes IGN depuis un moment. Oui, et oui. On voyait qu'on passait à côté. Et ce matin, tu as vu, on le disait, je te le disais, tous les puits, en ouais, fait, on passe au pied. Ouais, bon, Fanny nous a dit, venez, ça vaut le coup. Ouais, elle a dit, attention, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Donc, ouais, on l'a écouté, hein, parce que bon, Fanny, alors, c'était un peu notre guide du jour. Du coup, on a trouvé un hôtel. Ouais, on a pris l'hôtel. Comment il s'appelle? On est au l'hôtel du logis. De la paix. Non, hôtel de la paix du logis. Donc on est en dessous de la basilique de Saint-Nectaire à l'hôtel du logis. Bon, au moins on a eu une douche. On a pris la douche et on a lavé nos vêtements. On recharge tous nos appareils. C'est encore la pluie et le vent. L'avantage, c'est qu'on est à 2 mètres. Enfin, en fait, là, ce que tu viens de filmer, le GR, il passe sous notre fenêtre, au pied de l'hôtel. Oui. Donc demain, on va se faire un bon petit déj. Ce soir, on ne mange pas. Parce qu'on a mangé à 14h. Et du coup, demain, on se fait le gros petit déj et on trace direct. Et voilà. Ça, c'est bien. Demain, je crois qu'à l'étape de demain, on passe au château, c'est ça? Ouais, de Murol, où ils ont tourné. Mais arrête, je savais pas. Perceval, Arthur, laisse tomber. Les gars, je vous fais une parenthèse qui n'a rien à voir. Mais comme ça, ça me permet de vous reparler du code promo de chez liophilisé.fr, 10% sur tout le site. Si jamais vous voulez vous acheter à manger. Et si vous voulez vous acheter à manger, en plus des plats Ril Turma là, qui sont trop bons, les petites barres Cliff, il y en a deux, il y a beurre de cacahuète et chocolat beurre de cacahuète. Ça passe elles bien. Elles sont atomiques.
Donc ce soir, on fait juste deux bars. Parce que demain matin, bah, à l'hôtel, il y a le petit-déj à volonté. Je pense qu'ils savent pas à qui ils ont affaire. Enfin, on a dit, ouais, mettez le petit-déjeuner. À partir de quelle heure, vous servez? Ils ont 17h30. Bouge my beer. À 7h40, les mecs, ils vont descendre, il n'y aura plus rien en bas. On va tout trucider, quoi. Bon, écoutez-moi. Hier, quand on a dormi dans la grange, je vous ai dit que je me suis levé en plein milieu de la nuit, moi, à 4h. Ah, ouais. Et mes sacs, ils flottaient, parce que le truc, il avait pris l'eau, mes sacs, ils flottaient. Bon, j'ai rien de mouillé, mais tous les sacs, ils flottaient, je les voyais flotter, mon sac, il était sous l'eau. C'était l'arche de Noé, ton truc. J'ai rien eu de mouillé, donc le dilemme, merci encore. Et en fait, Fanny nous a dit qu'elle a une cliente à Récollen. Ah ouais. Et elle lui a dit tout à l'heure, à 4h du matin, j'ai pris la foudre sur ma maison et sur une grange qui était juste à côté. Ben nous, on l'a entendu tomber en live. Oh, on l'a entendu. Comme il a tapé celui-là. Il a claqué, j'ai sursauté, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Quoi. Là, je me suis dit, s'il y en a encore 2-3 comme ça, il n'y a pas bon quand même. L'orage qu'il y a eu hier soir était vraiment... Ouais, c'était flippant. Ah, et pour les aficionados du film des deux cow-boys, là, on a des lits séparés, ok. Ah bon, Back Mountain. Bon voilà, c'est ainsi que se termine le jour 3 de notre GR30, qu'on prend à notre rythme et on se régale. Ouais. Et franchement, c'est une tuerie, vraiment. Merci pour tout et à bientôt pour de nouvelles aventures. Cornichon, hein. C'est reparti. Quatrième jour. Mmh. On a éclaté le petit déj de l'hôtel. Très bon petit déj. Ouais. Avec du vrai lait de vache, tout ça. Donc on s'est bien rempli le bidon, parce qu'hier soir on n'avait pas mangé. Mmh. La nuit fut réparatrice. Très. La douche, laver nos vêtements, ça fait du bien quand même. Putain. Donc voilà, on est parti à 8h. De l'hôtel où on était de Saint-Nectaire. Mmh. On vient juste de partir. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. On va en direction au maximum, on va en direction de Besse, si c'est possible. Quoi. Ouais, on va voir. Hein. Et la météo, c'est le dernier jour capricieux. On est en alerte orage. Mais. Ouais, on a espoir. Hein. Ouais, on dirait qu'il se déplace au-dessus. Un tiers de ciel bleu et deux tiers de grisaille. Nous, on va vers là. Donc on se dit, bon, on va vers le bleu. Quoi. Si ça se dégage comme ça, c'est pas mal. Voilà. De toute façon, au pire, l'orage arrivera dans l'après-midi, fin d'après-midi. Donc là, on devrait être tranquille pendant un bon moment. Peut-être quelques gouttes, mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, ça a été. On a réussi à apporter l'eau en Auvergne sans se faire tremper. Un bel exploit, j'ai envie de dire. Voilà, bon, mais les gars, après, regardez, je sais pas quoi, on part. Ok, tout le monde a déjà vu des vaches. Hein. Voilà, on a fait 600 mètres de l'hôtel. Hein. Mais voilà. On voit déjà plus une maison, c'est génial. Tu pars, tu marches, tu entends les vaches, je veux dire, là, ouais. Fait... Dès que tu sors des villages, t'es déjà into the wild. C'est là, vrai. Par exemple, moi, ce que j'avais en tête de la campagne, on y habite tous les deux quasiment, la campagne,
Mais ce que j'avais en tête de la campagne, c'est ça, c'est que tu puisses sortir d'un tout petit bled et direct être dans la campagne. Et là, en fait, ici, là, en Auvergne, c'est exactement ça. C'est ça. Des petits patelins de 10 maisons. Et dès que tu sors, paf, tu es en plein milieu de... Ouais, enfin, là, on était à 5 hectares, c'est quand même plus grand que 10 maisons, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Joli bled aussi, hein, un petit peu touristique. Ouais. Il y a des trucs à visiter, de l'histoire, des sources chaudes, des grottes, des fromageries. Ouais. Ouais, on n'a si pas eu le temps. Dans le coin, hein, faut s'arrêter. Il faudra revenir avec la famille. Exactement. Donc là, les amis, on part en direction du château de... à 5 km d'ici. Au top. Prenez 15 jours de vacances, une paire de baskets et venez là. Ouais, carrément. Et c'est très bien indiqué, hein, tout le long, franchement. On l'a trouvé mieux indiqué que Stevenson. Ouais. Ouais. Ah tiens, il y a les grottes là-haut. Des grottes troglodytes là-haut. Au-dessus de 5 hectares à visiter aussi. On n'aurait pas pu bivouaquer là-bas. Non. On n'aurait pas été mieux qu'à l'hôtel. Non. Et nous marchons. À fond la caisse. Forêt, champ. Est-ce qu'on leur dit que c'était beau? C'est la peine? Vous le savez, mais non, c'est pas grave. Lucas, avant toute chose, est-ce que je peux pousser un coup de gueule? Non. Cette portion, ça vous suffit à comprendre ce que je vais vous dire. Depuis qu'on est arrivé, on a croisé très peu de routes. Mais on en a croisé. On en a pratiqué hier avec Fanny. Les routes en Auvergne, elles sont neuves. Neuves. Le goudron, il est neuf. Bon, les routes dans le Var, elles sont, c'est le salaire de la peur. Ouais, ça va, arrête. Laisse-moi exagérer un peu. Regardez, lui, allez, regardez comme il roule bien sur la route. Il croit que c'est les gendarmes, le mec, il a pilé. Ah, nous arrivâmes au pied du château de Murol, ça va. Pour une fois que je savais un nom, quoi. Ouais, mais tu vois, alors c'est très loin, mais c'est lui. Ouais, wow, magnifique. Alors, on ne sait pas quelle scène, mais ils ont tourné des scènes du film Kaamelott. Ouais. Dans ce château-là. Donc là, on a fait quoi, 3 km en 1 heure, même pas? Non, même pas, en 40 minutes. Ouais. Ouais, ouais. À la fraîche, ça, c'est agréable. Il n'y a personne encore. Il fait bon, parce qu'on est en t-shirt à 8h du mat. Ça se supporte. Et c'est très agréable. Moi, je vous propose un saut temporel. On se retrouve dans 3 secondes au château de Murciol. Le château de Murol. De Guillaume de Murol, qui érigea ce château au XIIe siècle et qui vécut toute sa vie. Et c'est une des rares seigneuries où il y a autant de traces écrites de la vie passée de... Je suis un peu près là. Ouais, mais tu sais c'est pourquoi? C'est pour faire comme Godefroy le Hardy dans Les Visiteurs. Ah ouais. Et donc, ce Guillaume de Murol, il écriva toute sa vie, il a pris des notes et elles ont... Il écrivit. Tu sais que sur le passé simple, on a entendu, nous. Oui, c'est vrai. Donc, tous les jours, il prenait des notes, un peu comme un carnet secret, là. Et du coup, il raconte la vie au jour le jour du château et de toute la seigneurie. C'est un truc de fou. Voilà, alors, moi, je vous dis un des regrets de faire des GR comme ça. Là, c'est au plus près qu'on va passer du château. Maintenant, on coupe, on descend dans le village. Peut-être qu'on va boire un coup, peut-être on s'arrête 5 minutes au village. Et après, on trace. Un peu plus haut, il y avait des grottes. Ce matin, il y avait une source chaude, grotte, pétrifiante, cascade. Bon. Ça met l'eau à la bouche, mais voilà. Malheureusement, on ne peut pas tout faire. Nous, depuis le début, on se dit qu'il faut revenir en vacances. Vraiment, j'ai écrit à ma femme, il faut qu'on vienne en vacances ici. Mais parce que vous voyez là le GR en mode GR. Nous, on ne le fait pas en mode sportif, mais en mode GR. Normal, on va dire que la moyenne, c'est au moins 20 km par jour. C'est ce qu'on fait. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est 10 km par jour. En fait, il faudrait prendre le temps, il faudrait le faire en 3 semaines, le truc. Ça, ce serait le top, vraiment. Faire ce GR en 3 semaines, ça, c'est un regret. À Saint-Nectaire, on aurait pu passer la journée. On vous aurait fait visiter tout. Putain, j'aurais voulu visiter le château, par exemple. Ah ouais, tu vois. Mais c'est pas grave, nous, on reviendra en privé. Oui, oui, non, mais c'est pour dire aux gens, ça, c'est une déception. Si vous avez beaucoup de vacances, pensez-y, vous pouvez vous faire. Ouais. On n'est pas, c'est pas obligé de faire les athlètes. Moi, je vais faire le GR en 2 jours, ça me bat les couilles. Vous pouvez faire aussi le GR en mode... En mode lent, ouais, en mode lent. Mode, on découvre le pays, en fait. C'est... Il est toujours là, il n'a pas changé de tête, c'est nous qui avons changé de côté. Ouais. Donc on a contourné le village pour arriver à des pierres mégalithiques, c'est ça? Ben là, vu sur la carte. Ouais, bon, sur la carte, ça avait l'air sympa, bon, en vrai, c'est un peu simple. Ah, c'est pas spectaculaire, mais on s'en fout. En fait, c'est une table mégalithique, ils appellent ça l'hôtel des druides.
Donc voilà, peut-être que ça a vraiment une utilité depuis l'Antiquité, on ne sait pas trop. Bon, je voyais ça peut-être plus impressionnant, mais bon, c'est pas grave, on l'a vu quand même. Mais bien sûr. Ouais. Moi, je m'en fous que ce soit impressionnant ou pas, c'est les trucs historiques. C'est de savoir que cette pierre, elle est là depuis au moins 50 ans, ça me... Ah ouais, là. Lucas, il y a autre chose qui nous a impressionné, mais qui n'a rien à voir. Mmh. C'est la taille des maisons en Auvergne. Ouais, on se le disait tout à l'heure. On n'a pas vu de petites maisons, en fait. Il doit y en avoir. Attendez, ne nous prenez pas tout au pied de la lettre. Commencez pas à me faire... Commencez pas. Les prix doivent être attractifs. À cause du climat, ici, tu es peut-être plus casanier, tu vois. Donc, tu te fais des maisons plus cosy, tu vois. Ouais, c'est clair qu'ici, l'hiver avec un 20 mètres carrés ici, tu dois devenir fou. Mais tant mieux pour eux, franchement, que les maisons soient belles et grandes, qu'il y ait des champs, plus il y a des champs partout. Mmh. On se fait une pause sur cette pierre mégalithique. Sur l'hôtel des druides. J'espère que Merlin nous en voudra pas, quoi. Mais non, c'est pour manger. Et on reprend la route ensuite, les gars, vers le lac de... vers le lac de Chambon. Ouais. Et ensuite, Courbange. Ouais. Et ensuite, si on y arrive, et ce serait très bien, Besse. Besse Saint-Anastèse ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Tiens, pour une fois. Ouais, tiens. Tu deviens bon, non? Tiens, la FF Rando 63, vous embauchez pas des guides touristiques? On a vu le voir Murol. Et on a vu Murol. Ah bon, on n'a pas été déçus. Ça, c'est typiquement le village où vous pouvez passer une semaine. Ouais, ouais, touristique de fou. Dans tout le coin, il y a des activités à faire. Camping 5 étoiles, les restaurants, ils avaient l'air trop bons. Le centre-ville, il est trop beau. Mm. Le parc, on a traversé le parc là pour couper. Magnifique, il y a des essences d'arbres de fou. Le parc, il date de 1860. Il y a des arbres, ils font 30 mètres de haut. Quoi. 3 hectares ou 3 hectares et demi. Ouais, ouais, énorme. Magnifique. Putain, Murol, c'est à noter. Je vous le dis en même temps, je m'en sers de carnet de notes pour. Comme ça, je re-regarderai la vidéo si jamais j'oublie un jour. Aussi, Murol, c'est de la bombe atomique. Autant il y a des bleds, on est passé. Quoi. Faut pas rester, mais celui-là, ouais. Vu le timing, normalement, on arrive à Courbange pour manger. 3,5 km, là, ils disent. Wow, V les prunelles, je sais même pas ce que c'est, quoi. Avec ça, on fait de l'eau de vie, je crois. Oh, prends-en ce soir dans la tente, on se torche la gueule. En fait, il faut que le gel passe dessus pour que ce soit bon, je crois. Ah. Si je dis pas de bêtises. Chez nous, il y en a, mais elles sont carrément plus petites que ça. À ce temps-là, on dirait un prunier, quoi. De toute façon, c'est une espèce de prune, forcément. Ah. Vous suivez ? À noter qu'à Murol, là, il y a des arbres fruitiers de partout. Toutes les maisons qu'on a longées. Ouais. Il y en avait une, elle avait un potager, mais de folie, quoi. Mais par contre, tous les fruits étaient par terre. Eh ouais, les gens les ramassent. Les et tout, ça, par terre. Ça donne peut-être tellement qu'ils ont trop de choses chez eux. Et il y a des gîtes qui s'appelaient les vergers de Murol et tout, donc si ça se trouve, c'est le coin qui est. Ouais, historiquement, c'était peut-être un village producteur de fruits et légumes depuis l'époque médiévale ou quoi, même, tu vois. Ah ouais. Mm. Donc on a raté des poires médiévales, tu veux dire. Eh ouais. Vous voyez pourquoi on est souvent tous les deux pas très chauds pour mettre notre tente sous les arbres. Sous les grands arbres. Aux États-Unis, ils les appellent les widowmakers, les faiseurs de veuves. Ouais. Enfin, eux, ils parlent des arbres morts. Mais parfois, ça arrive aussi aux arbres vivants. En plein milieu du chemin, quoi. Il doit faire 25 mètres de haut. Il a fendu l'autre en deux. Ouais, il a fracassé, quoi. Mais en plus, attends, regarde. J'ai couvert, il y a pas longtemps qu'il est tombé. Attends, mais regarde, je sais pas si vous voyez jusqu'où il va. C'est le gros tronc qui est là-bas au fond. Là. Donc si vous arrive ça pendant la nuit, l'avantage, c'est que vous sentez rien, c'est expéditif. Ah, du coup, regarde, on peut toucher le sommet du sapin. Oh, il a cassé 1, 2, 3 arbres au passage. Ça devait être pendant l'orage. La tempête, ouais, je pense. On a essayé de le déplacer pour nettoyer le chemin. Avec ton couteau suisse. On a fait un nœud tendeur avec nos lacets de chaussures, mais ça n'a pas marché. Là, ça redevient bien sauvage, là. C'est super beau. Il y a des petits torrents de montagne, là. C'est trop beau. C'est objectivement, bien. À quel moment tu pourrais dire que ça n'a pas été beau, quoi. Ouais. Hein, pas là, il y a 5 minutes, on est passé par une cabane. Ouais, un ancien four à pain, hein. C'est magnifique. C'était retapé, ouvert, donc ça peut faire un abri, un refuge pour en cas d'orage ou même c'est la clair. Nuit. Hein, vous pouvez poser les matelas et tout, c'est cool. Clair. Voilà notre quotidien, les amis. Pas évident.
Bon, par contre, ça fait 3 jours que je vois des marques comme ça, blanches et rouges, sur les arbres, les murs et tout. Je sais pas à quoi ça sert. Encore des taggers, ça. Nous, on les suit bêtement, mais... Oh, mais Lucas, il y a des prunes de barbarie. D'accord. No. Depuis la sortie de Murol, c'est extrêmement beau. Ouais, c'est... On n'a plus de superlatif en fait. Je pense qu'on a vu les plus gros arbres depuis le début. Ouais, les plus gros sapins. Hein. Il y en a, ils faisaient plus d'un mètre, voire 2 mètres de large. Quoi. C'est impressionnant. Ouais, comme il part là-haut. Il dépasse tout le monde. Il y a des arbres immenses dans cette forêt. C'est des arbres à faire des mâts de bateau, ça, tu vois. Il fait bon en plus. Hein. Trop bon. Et ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, hyper important, c'est que là, ça, depuis ce matin, on est parti. On a fait combien, 14? Là, on a fait 12. 13, ouais. À 13 bornes, on n'a même pas bu 1 litre. Regardez, ouais. Moi, je l'ai rempli avant de partir. J'ai que ça et je dois être à la moitié. C'est pas ta gourde de pipi, ça? Ah merde, on se trompait. La poudre qu'on met dans l'eau, alors on a pris de la poudre de Ril, ceux qui font les plats, on pense que ça nous fait vraiment du bien. On en boit à peu près une par jour. Et après, on n'a plus de... Je sais pas si c'est lié, mais on n'a plus de courbature, tous les deux, plus rien. Premier bivouac où j'avais testé ça, moi, le soir, pas de douleur. Et le matin, aucune douleur. Alors que moi, d'habitude, c'est douleur man. Et c'est tous les sels minéraux qu'on perd en marchant. Et les... C'est quoi, les électrolytes? Oui. Voilà, ben ça, c'est dur à remplacer avec la bouffe normale, on va dire. Du coup, ça vous recharge et le corps il est content. Après, celles de Ril, là, elles sont données pour être mélangées dans 35 centilitres d'eau. Donc, ça fait un goût très prononcé qui est exceptionnellement bon. Très mais sucre, c'est un goût très prononcé. Moi, je l'ai mis dans 1 litre et ça passe comme de l'iced tea. Nickel. Ouais. On est en forme aujourd'hui. Hein. Ouais, nickel. Ouais. Levé très tôt, petit déj de champion, parti très tôt, ben, ça fait du bien. Hein. Ouais. Et puis en plus, bon, quatrième jour, donc on commence à être bien en forme, quoi. Ouais. Voilà, ça continue de monter. Et après quoi, Lucas, on longe? Ouais, après, ça va être des plateaux, je pense, un truc dans le genre. Petite vallée ou plateau. Super joli, hein. À Courbange, il n'y eut pas de restaurant. Donc c'est de ma faute, moi j'ai lu la carte, j'ai regardé vite fait sur Google, mais en marchant, j'ai vu 2 restos. Oui. En fait, les restos, il était 3 km à l'est de Courbange et l'autre, il était 3 km à l'ouest de Courbange. Ce qui ne fut pas un problème en soi, parce qu'on s'est quand même arrêté manger une barre. Et, parce qu'on est autonome à la base. Hein, on était bien. Parce qu'on aime bien se faire des petits plaisirs. Tu Donc vois. On s'est dit que si on ne se faisait pas le resto du midi à Courbange, on se ferait celui du soir à... Là. Ben c'est Sainte-Anastasie. Sainte-Anastèse, non? Resto pour ce soir et coin de bivouac, pas trop loin parce qu'on va partir du resto de nuit. Bon. Lucas, tu t'es prêté à faire un point carte, toi? Ouais. Toi, tu es très cartologue, toi? Cartographe. C'est cartomancien aussi ou pas? Ouais, je tire au tarot et au poker. Si t'as une quinte flush, ça veut dire que tu vas changer de boulot, je crois. Lucas Tessier, le fils d'Elisabeth Tessier. Courbange, Besse, c'était ultra beau. D'abord, c'était petite montée en forêt. Ouais, première partie forêt de fou dans tous les sens. Et sans te prévenir, deuxième, parce plateau. Que tu ne le vois pas venir. Ah ouais. D'un coup, on sort de la forêt et c'est des plateaux à perte de vue. C'est ouf. Bon. Le seul truc un peu chiant, c'est que le chemin était vraiment fin. Limite, il passait que un pied, tu vois. Des fois, tu marches un peu... Il fallait marcher en catwalk, tu sais, comme le mannequin. Hein. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, parce qu'en plus, ça fait rouler du cul. Donc, si les gens ils vous voient de loin, ils croient que bon. Ouais, croient quand même. Bon. Bref. Alors que nous, non. Tu vois? Non. Voilà, donc on descend à Besse, les gars. On boit une bière, on fait le point sur la carte pour savoir ce qu'on va faire ce soir. Mais on a une jolie étape aujourd'hui. On s'est fait une jolie étape. On verra en bas, mais on est à 22 km, 830 de D+. Et actuellement, on est à 1138 mètres d'altitude. Et pas une goutte sur le caillou encore aujourd'hui. Ouais. Lui non plus. Ah, ça, c'est le détecteur de pluie, ça. Vous voyez, ça? Ça, c'est le meilleur détecteur de pluie au monde. La ça. Technologie la plus avancée au monde. Elon Musk, il a contacté pour lui demander comment il faisait et tout. Ouais. Un millionième de millilitres, je le sens sur ma tête. Phénoménal. Ouais. Phénoménal. On n'a pas grand-chose à dire. Mais une fois de plus, on a échappé belle.
Juste on se pose pour boire la bière. Et on prend une draque, mais d'alors de l'eau de la... Alors là, on est posé à Besse et Sainte-Anastèse. On avait plusieurs plantes qui s'offraient à nous. On pouvait aller faire des courses dans un petit haut champ et faire 3 km de plus pour se poser avec une vue sur un lac. C'est un peu compromis. Et après, en montant, on a repéré un lavoir. Donc il y a des chances qu'on y retourne. Enfin, je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas. Il est 18h, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Bon, en attendant, moi j'ai pris une petite bière auvergnate, ambrée, médaille de bronze au World Beer Award. Ça passe très, très bonne. Bravo les Auvergnats. Moi je pense que ça va s'arrêter dans 5 minutes, mais c'est un peu énervé là. Là, ouais. Même pendant la nuit des orages, il n'est pas tombé comme ça. Ça. On est parti du bar. En catastrophe. Non, il y a eu une micro-coupure. Ouais. On a tracé au champ. Donc, ce qu'on savait, c'est qu'il fallait aller au champ. On vous montrera tout ce qu'on s'est pris. On a été à Auchan. Quand on est sorti de champ, on était trempé. Il restait 3 km jusqu'au lac. Et Lucas, il me dit, là-bas, il y a un... Viens, on va voir là-bas. Et en fait, regardez où on est. On est aux premières loges pour OM Paris demain matin. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, il y a des drôles d'écho dans cette montagne. Gradin du stade municipal de Besse, on est abrité. Il y a déjà des jeunes qui sont là, pareil, ils cherchent un abri. Ouais, enfin, on est abrité. Si le brouillard il passe comme ça toute la nuit, on va être trempé. Il y a un truc qui arrive là, dans ma face, là, regardez. En fait, il y a 5 minutes, il n'y avait rien. Putain, mais l'Auvergne, c'est violent, quoi. Il y a du saucisson, des cacahuètes. Du Saint-Nectaire. Et du Saint-Nectaire. Le petit déj. Des petits pains roulés pour demain matin. Au chocolat. Et des Springles que t'as déjà ouvert. Voilà, donc on finit quand même. Ouais, on finit à 26,5 km pour aujourd'hui. Bon, c'est super bien. Normalement, demain, les gars, on se lève, soleil ou quelques nuages, mais finit plus de pluie jusqu'à la fin. Hein? C'est bien ça. C'est bien, mais il faudra transporter plus d'eau. Parce que là, ça fait 2 jours qu'on se balade avec 1 litre d'eau. C'est notre record, c'est un truc. J'y pensais tout à l'heure, mais même depuis le début, on aurait pu n'avoir qu'un litre. Là, de toute la journée, j'ai bu 1,5 litre. C'était ainsi que s'achève le jour 4. Ouais. Le jour 4 de notre GR30. Sur ce temps magnifique, vive l'Auvergne. Pas dégueulasse, hein. Nous voici devant le lac Pavin, un des fleurons de l'Auvergne. Qui est absolument splendide. C'est là qu'on aurait dû, enfin qu'on aurait pu, on aurait pu aller jusqu'ici hier. Ça rajoutait au moins 1h30. Si la pluie n'en avait pas décidé parce que autrement. On était bien lancé. On aurait pu monter jusqu'ici, on était lancé, hein, je pense. Hein. On aurait pu bivouaquer juste là. Il y avait plein de spots. On aurait été bien.
Mais par contre, voilà, on s'est arrêté au bon moment. On n'a pas le choix. Parce qu'il y a eu une grosse chavane. Donc, ouais. Et au stade de foot, au final, tu sais quoi ? Ouais, on était nickel. On a super bien dormi. Jour 5, les amis, et on démarre la journée par un lac. Plus jeune cratère de France, qui a 6000 ou 8000 ans. Là, mais Lucas, comment tu sais tout ça ? Parce qu'il y a un panneau, là. Est-ce que tu peux nous donner plus d'infos, Lucas ? Eh bien, il fait entre 900 et 1000 mètres de diamètre, là. Et 93 mètres de profondeur. Et en plus, fait, c'est en gros, c'est un, ça s'est écroulé, quoi. Attends, tu as appris les infos par cœur ? Ouais. Ah, tu es un phénomène. Ouais. Ah, tu es un phénomène, Lucas. Ouais. Un kilomètre de diamètre ? Mmh. Putain, on ne dirait pas, hein. Ouais, c'est clair. Donc, c'est le dernier cratère qui s'est formé en France, en fait. Et avec ses 6000 ans, et le plus jeune de France, voilà. 6000 ans. 6000 ans. Au moins, on est sûr. Pour ceux qui bivouaquent, qui vont faire le GR30 et qui savent à peu près, qui comprennent à peu près où on est, au lac Pavin, il y a, je pense que ça, ce sont des toilettes. Ouais, il y a des toilettes. Et là-bas, il y a un bâtiment technique là, de l'ONF, sûrement. Et apparemment, peut-être qu'on va aller voir après, mais il y aurait un petit refuge, donc une pièce ouverte derrière, où on pourrait s'abriter et tout. Donc, et même il y a une table et banc là sous les arbres. Oui. Pour l'instant on voit pas d'eau mais. Ça c'est marqué sur la carte IGN, hein, table et banc. Ouais. Aux toilettes, je sais pas, peut-être qu'il y a de l'eau pour ça. Il n'y a pas d'eau. On peut vous dire aussi, on en parlait hier, que depuis qu'on est parti sur ce GR, ouais, on a fait, depuis le début, on a fait toutes les étapes avec un seul litre d'eau. Et on n'a jamais manqué d'eau. Pour l'instant, on en a vu tout le long. Bon, ce matin, depuis qu'on est parti de Besse, évidemment. Il n'y a pas eu d'eau, enfin il y en a à Besse, ouais, évidemment. Ça montait tout le long, forêt, voilà. Les forêts, c'est dur de voir de l'eau, parce que ça, dans les forêts, l'eau elle rentre direct. Les amis, vous voyez qu'il y a un changement de caméra, précision technique pour ceux qui ont l'œil. Jusqu'à présent, on a filmé avec une GoPro et on a déjà flingué notre carte de 128 gigas, qui pouvait contenir pourtant 2h40 de rush. Donc on l'a déjà tué, donc là maintenant on passe sur le GH5. C'est moins pratique, c'est beaucoup plus lourd, ça fait plus mal au bras. Mais par contre, il a une capacité de malade. Là, on peut faire 4 GR derrière ça et on aura toujours de la place sur les cartes. Ouais. Et en face, il y a Super Besse, là, je crois. La station de sport d'hiver de Besse. Et le Sensi, ben ouais, il doit être dans les nuages. Ouais, là, il est là, ouais, oui. C'est là. Ouais, il est souvent dans les nuages, d'ailleurs. On espère que nous, on n'aura pas le droit aux nuages, mais bon, il est souvent bien dans les nuages, sauf pour notre visite d'ici 4 jours. Là. Il sera là pour nous. Notre étape du jour, normalement, nous fait passer par Compin et après après Compin. On est bien là, hein. Putain, on est bien, on arrive de là-bas. On est bien. Hey Tintin ! Eh ouais, on est bien. Et nous partîmes du lac Pavin pour retraverser encore ces espèces de... Hein, en fait, tu as vu ? On fait champ-plateau, passage de forêt. Donc à chaque fois, après les champs-plateaux, il y a les passages de forêt qui se ressemblent avec les grands arbres et tout. Et tu sais ce que je voulais dire ? Je dis, ça fait 2 jours que je me dis, il faut que je leur dise. Ah, tu vas enfin le dire, là. Et du coup, je veux le dire maintenant. Depuis qu'on est parti, il y a eu très peu de singles. Vous savez, les singles, c'est les chemins solo. Il y en a eu très peu. Je vais te dire pourquoi je l'ai remarqué. Ouais. Parce que comme nous, peut-être que vous vous en foutez si vous êtes seul, mais comme nous, on est deux, le fait qu'il y ait peu de singles, ça permet de marcher à côté. Mm. Et c'est un détail, mais quand vous marchez toute la journée, un derrière l'autre, moi, je trouve ça chiant. Ouais, tu peux moins parler. Exactement. Parce que celui qui est devant, t'as pas remarqué, quand il parle, t'entends pas. On est souvent à côté, on marche souvent côte-côte. Mm. Ouais, j'avais remarqué. Tu vois que je dis pas que des conneries. Belle intervention. Après le lac Pavin, on a marché, descendu, on a trouvé un point d'eau à côté d'un petit lac qui était très beau. Privé. Tout fermé, tout barbelé. Fermé. Dommage, mais bon, ça se respecte. Hein, et c'est là que Lucas a eu la présence d'esprit de lire sa carte et de dire que le lac de Montgenèvre là, était juste à côté. Non, Montgenèvre, c'est en Italie. Monseigneur. Monseigneur. Mons dans le Var. Mon bateau. Monsinaire, les gars. Lac de Monsinaire. Superbe. Coin de bivouac, si jamais vous arrivez jusqu'à là. Coin de bivouac, parfait. Mm. Avec la maison du gardien, camping interdit, pêche interdite, baignade interdite. Tout est interdit, sauf les bivouacs. Pour une fois qu'on a le temps, là, il fait un peu froid, mais. Faut être courageux. Mais je serais bien allé me baigner, moi, tu vois. Bon, mais là, on vient de se faire le petit casse-dalle, là, vite fait. Post-saucisson, Saint-Nectaire. Alors, enfin, ils sont sympas, les marchands, là. Mais il me semble avoir vu qu'ils viennent du 15, lui. Ouais. De Sargues. On est dans le 63, ici, non ? Ouais. Ils viennent pas de Saint-Nectaire ? Ben,
Putain, mais qu'est-ce que c'est ces escrocs ? Pourquoi ici ils vendent du, je sais pas, du Saint-Nectaire dans notre département ? Je dis une bêtise, hein, peut-être. Non, il est peut-être assemblé là-bas, mais le lait de la vache, il vient d'ici. Enfin, bon. Bon, on le saura sûrement jamais, sauf. Bon, après, il y a plein d'Auvergnats qui nous suivent. Si vous voulez nous le dire. Vous le marquez si on dit des bêtises, hein, parce que là, on n'est pas chez nous. Déjà que chez nous, on dit des bêtises, alors. Il y a un truc qu'il faut savoir si vous faites le GR30, dans le même sens que nous, donc sens horaire. Vous faites les étapes que vous voulez. Mais il y a un moment où vous allez devoir vous arrêter pour dormir au pied du Sancy, parce qu'après vous êtes en réserve naturelle. Et là, c'est interdit. Ouais. Et là, c'est à vous de bien calculer, de ne pas avoir, faire plein de grosses étapes pour faire la dernière qui fait juste 5 km pour arriver au pied du Sancy, parce que ce serait débile. Donc nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de gérer. Mmh. On équilibre le reste du parcours pour s'arrêter au pied du Sancy, en sachant que la dernière étape, c'est la montée du Sancy, la crête et la redescente jusqu'à la Bourboule. C'est une grosse étape de 24 ou 25 km. Hein. Et gros dénivelé en plus. Gros dénivelé, plus 800, moins 800. Ouais. Ça, c'est le lac de Montsinère, les gars. Et c'est pas piqué des verres, je vous le dis. Quoi. Avec la maison du gardien. Juste au-dessus de nous, là, il y a le puits de Montsinère. Donc ça, c'est le cratère qui a un peu créé tout l'ensemble du coin. Là. Attends, explique-moi un truc. Comment tu sais ça ? Parce qu'il y avait un panneau là-bas. Et tu t'es rappelé de tout ça ? Je dis les panneaux, moi. Et tu emmagasines tout ? Ouais. Tu es une machine, Lucas. Ouais. Non. Un petit poisson rouge, quand même. Jusqu'à la prochaine, prochain village, là. Ouais. Compain, là, je sais pas quoi. Compain. Compain. Ben, c'est la coulée de lave que lui, il a créée tout le long, toute la vallée. Et comment tu sais ça, Lucas ? Même résultat. Tu as lu et tu as retenu. Putain, si tes profs, ils te voyaient aujourd'hui, ils diraient, putain, à l'école, ils se rappelaient pas d'une formule mathématique, quoi. Alors on est redescendu du lac, on est parti du lac de Montsinère, forêt de fou. Ouais, magnifique. De hêtres, de fou. Encore plus belle que les autres. Descente, quelques gouttes en arrivant ici à Compens. Et au-dessus, on a fait la rencontre de Véro, et une ancienne varoise d'ailleurs, de chez nous. Alors Véro, on te passe le bonjour, hein, Véro de Compens. Super sympa. Elle nous a dit qu'on était à une heure de Brion. Là où on va essayer de manger. Donc là, on va se poser à Compain, il y a une église et tout. Ouais. On va jeter un coup d'œil. Quoi. Tous les petits fagnons, hein. Ça doit être la fête dans pas longtemps. Hein. Et il y a un concert le 20 août, flûte, harpe et harpe, tout. Ouais. Harpe, c'est beau quand même. La harpe, c'est le top. Bref, flûte aussi. Et là, regardez la petite église. Moi, je suis un fou des églises. Tout en pierre noire, c'est trop beau. Regarde-moi ça. Vu le clocher, comme il est beau. Ah oui, quand même. Encore une fois, on tombe dans un petit village qui a l'air super beau, super calme. L'arbre au milieu, là, il est majestueux. La place, elle est très belle. Ouais. Et on est encore tombé sur une Auvergnate qui était hyper sympa. Donc, maintenant, il faut arrêter que les préjugés. Lui, il a un clou dans le pneu. Petit point gastronomique local. Avant de reprendre la route, on s'est arrêté au café associatif de Compain où on a eu deux bonnes petites bières. Le village est ultra beau. On s'y est posé pour attendre le passage des nuages. En fait, on s'est reposé là. C'était terrible. Terrible. Lucas ne peut que confirmer. Et en fait, on a trouvé un café associatif. Ces deux jeunes qui le tiennent, qui ont ouvert ça il y a 2 mois. Là. Ils sont super cool. Ils ont filé une baguette de pain pour finir le Saint-Nectaire ce soir. Et pour nous, tout va bien. Et Lucas ne peut que confirmer. Madre mia. Excellente pause à Compain. Le contraste des lumières, là. Soleil, nuages noirs, ciel bleu derrière. C'est terrible, terrible. On va à... Ah, c'est n'importe quoi. Moi, j'arrête, franchement. Et regardez devant, regardez ça. Ah, c'est n'importe quoi. L'impression d'immensité, en fait. Le ciel à perte de vue. Il est plus haut que chez nous. Je pense qu'il y a au moins 100 mètres de plus, là. On se fait casser la testas. Ouais. Là, c'est la petite Mongolie, il paraît. Voilà, c'est ça, c'est à partir d'ici. Véro nous a dit, revenez un jour, faites que la petite Mongolie, c'est un truc de fou. C'est le plus beau, elle a dit. C'est exceptionnellement beau, mais vraiment, c'est exceptionnel. Là, les lumières, c'est... Des plaines, les lumières, on dirait les tableaux, en fait, où les mecs, ils jouent, ou les photos de folie, là, comme vous voyez les ombres et les trucs. C'est con que j'ai pas mon réflexe, là, parce que j'aurais fait des méchantes photos, je te le dis. Je lui ai demandé au moins 10 fois de le prendre, le réflexe, avant de partir. Lucas, tu vas pas prendre ton réflexe ? C'est bon. Et depuis qu'on est arrivé là, il est deg, en fait. Il est dégoûté. Il y a 4 kilos de matos, là. Je vais pas me trimballer ça, quand même. Quelle aventure !
Quelle aventure. Quelle aventure. Donc les plateaux que vous venez de voir, l'espèce de Mongolie qui nous a cassé la tête, ça s'appelle le Césalier. Ouais, c'est le début du Césalier en fait. Et tout le reste, il est là-bas, en face. Je sais pas si vous voyez. C'est que des plateaux quasiment sans arbres. Et ils appellent ça la petite Mongolie. Donc là, c'est vrai que d'ici, on se rend encore mieux compte de ce que c'est. Et ça, c'est Brion-Haut. C'est le village Brion-Haut. Et ouais. Là-bas, il y a le bistrot avec une mamie qui fait à manger, mais qui fait à manger que le midi. Que le midi maintenant, ouais. Donc nous, on a raté. Ça nous est passé à ça. À ça qu'on mange avec elle. Et elle est en train de faire à manger pour le lendemain midi. On pétait un câble. Ah, on est deg, mais bon, c'est comme ça. Ouais, après, voilà, le spot, là, ce soir, là, il est fou. Il est fou ce soir. Le camping-car qui est là, c'est, il y a une dame qui est sortie qui nous expliquait qu'on pouvait, on a mis notre tente ici, là, entre les deux. Comment ça s'appelle? Des burons. Des burons. Des burons. C'est des espèces de maisons étapes pour les vachiers ou les. Qui venaient, de l'époque, ouais, qui venaient présenter apporter leurs bêtes. Les tout, bêtes. Ouais. Derrière, en fait, tous les ans, ils font des marchés à bestiaux, là, on voit les parcages et tout encore. Là. Ils le font combien? C'est 10 fois par an? Il y a 10 représentations par an, 10 par an. 10 événements. Ouais. Et du coup, c'est toujours d'actualité. Et ces baraquements, ils ont été créés sous l'époque de Napoléon. C'est ça. Donc, il y en avait 70 avant, on l'a dit. Hein. Ouais. C'est... Et donc là, ça, évidemment, tout ça, ça appartient à un agriculteur qu'on a vu, que la dame connaît parce qu'elle vient en vacances chaque année ici. Lucas, il a vite été le voir, il lui a demandé si on pouvait s'installer. En courant. Bah, le type, évidemment. Super sympa. Évidemment. Et la dame, elle nous a dit, si vous voulez, en plus, là, il y a des toilettes. Ouais. Alors écoutez, ils ont été faits ce matin. Ouais, c'est ça. Je vais pas rentrer dans cela, parce que là, il y a la dalle en béton, il y a le lavabo. Mais regardez, regardez, on a les toilettes. Ils ont été lavés ce matin. Il y a un point d'eau. Là-bas, il y a un double lavabo. Il y a des toilettes. De l'autre côté, il y a des toilettes turques, plus un point d'eau pour se laver. Et en plus, on est au pied de la motte castrale. Ça, en fait, ça, c'est pas un puits, donc c'est pas un volcan. Avant, il y avait un château là-dessus, donc en hauteur pour se défendre et tout. Et celui-là, il a été complètement rasé. Donc pendant une guerre de religion, je sais pas quoi. Et du coup, il reste pas grand-chose. Quand on était à Compin, vous avez vu la photo peut-être sur Instagram, je vous la remets là, il y avait un café associatif. Oui, super sympa. Ultra sympa, tenu par deux jeunes qui habitent à Brion-Bas. Depuis peu. Ouais, ils sont tombés amoureux, ils sont venus s'installer. Ouais. Je vous le dis parce que donc je leur ai demandé, là ils ferment la semaine prochaine, on est mi-août, ils réouvriront l'année prochaine parce qu'en fait le café associatif il est tout nouveau, il vient d'être créé. Donc si vous passez à Compin, ça ouvre assez tard, ça ouvre à 17h, ça ouvre le matin, mais allez-y, ils sont hyper sympas, ils voulaient nous donner des croissants, des pains au chocolat, ils nous ont donné une baguette. C'est ils sur sont la place, super gentils, sur la place face à l'église. Et un gars et sa compagne, deux jeunes, et la fille elle nous a dit, mais les gars si vous cherchez, vous venez à Brion-Bas. Il y a notre maison, à côté de la maison, vous pouvez vous installer, il y a de l'eau, vous mettez la tente dans le jardin. Ils sont super sympas. Tout le monde est super sympa. Ouais, franchement. C'est donc, coucou au café associatif de Compin. Si vous passez par là, allez les voir. Ils essayent de relancer le village, ils font venir un camion pizza à Compin et tout, une fois par semaine. Ouais. Eh, c'est mieux là ou pas? La vue sur quoi? Le Césalier. Eh ouais, putain. Donc, belle étape pour nous de 21 km et plus 800. Donc jolie étape, ouais, c'est des bonnes étapes, ça se fait parce que franchement ça déroule, mais voilà, c'est des bonnes étapes. Il y a des couleurs dans les nuages, il y a un panel de couleurs, c'est n'importe quoi. Lucas, il te plaît ce GR? Ouais, de ouf. Moi j'ai plus les mots, est-ce que tu as les mots? Non, franchement ça déglingue. Ouais. Moi j'ai plus les mots, moi. Les points de vue, les forêts, ouais, tout est beau. Les gens sont trop sympas. Bon Lucas. Ouais. Un petit Liofi, les dents et au lit. Ah non, on a la baguette, oui, parce qu'au café associatif, on a acheté la terrine. Et le pâté de campagne. On s'est acheté du pâté, quoi. On a le Saint-Nectaire, le pâté et la baguette. On va se faire un apéro putain, avant on va le Liofi. On va se régaler. On va se prendre 8000 calories. Quand tu te rappelles, quand on a fait la rando avec Jules, que je t'ai dit, que tu avais tracé, je t'ai dit, il n'y avait pas un mètre à jeter. Ouais. Lucas, là, on a fait plus de 100 km. Il n'y avait pas un mètre à jeter. C'est le GR30, c'est de la bombe. L'Auvergne, c'est de la bombe. Ouais, franchement. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Après, si vous êtes déjà de l'Auvergne, forcément, vous allez être moins dépaysé que nous, mais bon. Depuis qu'on est sorti de Compin, c'est carte postale non-stop. Hein. C'est ça, en fait. On voit des fonds d'images window, là. Ouais. Vous savez que les prairies, là, de l'époque, c'est ici. Tu sais quoi, Lucas? Tu te rappelles de Légende d'automne?
avec Brad Pitt, ouais, quand ils sont dans le Montana et tout. Mmh. Il manque que... Que des bisons, là, en fait, tu vois. Et Brad Pitt. Bon, allez, les gars, sur ce, on vous souhaite une bonne nuit. Et on conclut ainsi l'étape 5 de notre GR30. Et chers amis, c'est le jour 6 qui commence. C'est ça, Lucas ? Ouais. J'ai perdu un peu le compte des jours, moi, tu vois. Eh ouais, 6, ouais. Départ de Brion ce matin, qu'on aperçoit encore là-bas au loin. Et oui, là, on se dirige vers Gaudivelle. Donc là, on va rentrer dans le... Comment il s'appelle la région ? Le Cézallier. Le Cézallier Nord. Brion, c'était vraiment beau. Ouais, super point de vue de là-haut. Comme on vous a dit hier, l'agriculteur, en plus de nous laisser le petit emplacement entre deux maisons, il nous a laissé l'accès à une prise électrique ce matin pour pouvoir se charger. C'était... Ouais. Enfin, les mecs, ils sont... Trop sympa. Ce matin en partant, on l'a vu traire ses vaches. Oui, ramener le lait. Il ramener le lait. Dans une énorme citerne toute ronde en inox. Là, c'est ouf. Il était 8h, ils avaient déjà trait tout un parc de vaches là. Il y en avait au moins une quarantaine en plus. Ah, il n'y a pas de vacances là. Là, il y a des journées de 6h du matin à 21h ou 22h. Et, ouais. Et hier soir, ce que ça nous a fait délirer parce que. Il était 21h, 21h30, il était encore avec les enfants qui ont sympathisé depuis des années. Ils viennent toujours ici en vacances et ils prenaient les enfants, montaient dans le tracteur, faire les photos, tout ça, et, au lieu d'aller se reposer chez lui, quoi. Donc, mais ce qu'on se disait, c'est que s'ils ne faisaient pas ça, autant il n'y a pas beaucoup de vie sociale dans le coin, quoi, non plus. Donc, Eh ouais. Mais c'était beau à voir, quoi, c'est sympa. C'est la vraie France, là, tu vois, c'est ça qui est touchant. On est parti de Brion, là, ça a fait que monter, on fait une pause. Mmh. J'enlève le collant, Lucas, il a enlevé la polaire parce que. On va passer en fringue d'été. On va à Gaudivelle, là, il y a un lac, non ? Ouais. On a pris la pluie hier. On monte la tente en quoi ? En 5 minutes, et on a pris la drache un quart d'heure. Eh ouais. Comme par hasard. Comme par hasard. Bah, ce qui est fou aussi, vous le voyez peut-être pas, mais depuis le début, on marche, par terre, ça scintille de partout. Et ça, en fait, il y a une espèce de minéral dans la lave là, qui coule, qui est un peu de partout. Logite. Tu as trouvé des pierres même, hein ? Ouais, j'ai même trouvé des jolis cristaux, moi, en marchant comme ça, de visu. Et ça fera des bons souvenirs pour la collection. Ça fait plaisir. Et voilà, aujourd'hui, église neuve d'Entraigues. Ouais. Normalement, petite étape, 16-17 km. Bon, avec nos arrêts, nos trucs et tout, on s'est rendu compte qu'on peut rajouter presque 20% à chaque fois. Donc, Église Neuve, on fait resto ce soir. Demain, on va dans une autre ville dont j'ai oublié le nom, Saint-Genest ou Saint-Gien. Saint-Genest, ouais. Saint-Genest de je sais pas quoi. Et là-bas, on va essayer de faire là-bas hôtel ou gîte. Parce qu'après, les deux dernières étapes pour aller jusqu'au Sancy, il y aura quasiment plus rien de ce qu'on a vu sur les cartes. Splendide.
Ouais. Splendide, malgré la buée sur le carreau. On s'est déshabillé, on a bien fait parce que le soleil est sorti, les températures ont augmenté d'un coup. Et donc on a attaqué notre descente vers la Godivelle, où on s'est fait alpaguer par un barman. On lui a dit, on vient boire un soda. On voulait pas. Mais... ou une bière. Il a dit, mais les gars, il n'y a pas d'heure pour la bière. Il a dit, en général, il a dit, j'en ai pas. Il a dit, par contre, j'ai des bières locales. Donc, 10h du matin, on s'est tapé une bière locale. Mmh. Oh. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais... Godivelle, super beau village. Ouais. Belle fontaine, petit, belle église. Très beau. Deux lacs, un restaurant, un gîte d'étape. Ouais. Et les lacs, ils sont collés au village. Donc, c'est ça. Il est juste au-dessus et l'autre, il est juste en bas. Donc, il y a le lac du bas et le lac du haut. Et là, le lac du haut, c'est celui-là. C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Il y a des pêcheurs, ils font un peu de la truite. Tout à l'heure, là, il y en a, il en avait une. Et au début, on est arrivé, ils se sont engrainés. Ils sont trois dans le lac. Ils commencent à s'engrainer à la pagnole. Ouais, tu me casses le pied. Moi, je rentre, tu m'as vexé, je vais rentrer à la voiture. Là, mais pourquoi tu rentres? Ouais, j'ai chaud dans mes cuissards. Tu as tellement gueulé que tu as fait partir toutes les truites. Voilà, ils sont là, les trois. Là. Un, deux, et le troisième est tout au fond. Et le lac est super pas profond en fait, donc c'est... on a pied jusqu'à je sais pas où, mais loin du coup, ils sont en cuissante, comme ça ils peuvent s'avancer dans le lac. C'est... le lac il est magnifique, il y a des vallons, il y a des vaches d'un côté, il y a une maison en face, enfin, ça rendra pas en vidéo les gars, on vous l'a déjà dit, tout ce qu'on vous montre, tout ce dont on vous parle là, ça rendra pas en vidéo, mais c'est beau hein. Voilà, quand même. Voilà. Mais on a encore plein de choses à vous montrer. Tout à fait. C'est pour ça qu'on va repartir. Fils à fils. Let's go. Quelques mètres plus loin, bon, kilomètres, on a quand même un peu marché. Ouais. Encore très beau. Encore à 360. En fait, on leur dira directement quand c'est nul. Ouais, ok. On ne va plus leur dire quand c'est beau. C'est plus vite. On est passé devant une ruine dont Lucas va nous conter la légende qui est magnifique. Oh. Le violonneux et le loup. Gaine était un hameau dépendant de la commune de la Godivelle. Ce petit village a brûlé en 1952. Mais jadis, il était habité et très vivant. Des veillées s'organisaient d'un village à l'autre, et souvent des violonneux animaient les soirées. Or, par une nuit froide et neigeuse d'hiver, à la fin du 19e siècle, un des violonneux, voulant rentrer chez lui à Gaine, sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit un loup qui le suivait. Gardant son sang-froid, il sortit son violon et se mit à jouer jusqu'à la porte de chez lui. Le loup, comme hypnotisé, ne l'attaqua pas, mais le musicien eut la peur de sa vie. Belle histoire, j'ai envie de dire. Moi, j'adore les petites histoires, légendes et tout comme mais ça. Carrément. Super. Donc, ça sert à rien, c'est des ruines, mais ben, ça a fait ma demi-journée, moi, tu vois. Mais là, il y avait un village avant, c'est fou. Hein. 1952, en plus, il a pas cramé il y a longtemps. Même pas pour la guerre, hein. Il a tout cramé. Ouais. À Cramao. Ah, il y a une race de vaches particulière ici. La race Salers. Ouais. Vache emblématique du Césalier. Vache rustique d'origine auvergnate. Sa robe de couleur rouge bordeaux et ses cornes en forme de lyre la caractérisent. Ouais, c'est très belle vache avec des grandes cordes. Bah, on va en voir du coup. Attends, elle accepte d'être traitée qu'en présence de son veau. Ça, c'est beau, je trouve. Ah ouais? Ouais. Cette vache-là? Ouais, ouais. Ce qui la caractérise. Bravo. Bravo, madame, j'ai envie de dire. C'est super génial. Ouais. J'ai envie de finir par un plan sur la roue du tracteur, tu vois, du coup. Ah, ça, c'est beau. Et c'est là qu'on a un problème. Je suis sûr que lui aussi. On a tous les deux oublié le nom du village qu'on vient de quitter. Tout à fait. Espinal. Espinanche. Espinche. Espingouin. Espinche. Est-ce possible? Oh, vous aussi vous aviez oublié. Donc, pas les connais, ouais. Le nom, on l'écrit en bas d'écran. Bon, ok. Bon, on vient de quitter ce village. Ok, on s'en rappelle pas. On y est rentré, on cherchait un resto. On a vu un gîte qui fait à manger que pour les gens qui y dorment, évidemment, et quand on est passé, ils étaient en train de faire un barbecue. On a failli sauter la clôture, manger tout le monde. Ah ouais, grave. Horrible. La pire sensation. Mentalement, c'était dur. Quand vous marchez, il est midi, vous arrivez l'odeur des merguez ou des je sais pas quoi, là, mais tu sais quoi? Ah ouais, ça, c'est dur. Ça a failli me rendre violent, moi qui suis plutôt pacifiste. Ouais. Dans le village, on a trouvé la maison des marcheurs. Non, mais... un oasis sur le GR30. Ouais, je peux pas en dire plus. Bravo. Ah, c'est beau, bravo. C'était incroyable. C'était un 5 étoiles du randonneur. Incroyable. Il manquait rien. Non, il manquait rien. Ouais, parce qu'en fait, dans leur petite toilette, on s'est dit, allez, si les mecs, ils avaient mis un siphon de sol et un jet d'eau pour les types qui veulent se doucher, tu vois. Ouais, mais... bon, ça va. Faut pas trop en demander. Faut pas abuser. Et du coup, on repart en direction de Sainte-Marguerite.
Église Neuve d'Entraigues. Putain, heureusement qu'il y en a un qui suit quand même. Qui est à quelques kilomètres d'ici, à quelques encablures. Ouais. Alors évidemment, vous ne pouvez pas le voir, vous, à la caméra, mais c'est quoi qui vole, Lucas, depuis tout à l'heure, hein? Le gros qui tourne, là. Je crois que c'est un Milan aussi, ouais. Un Milan? Ouais. Alors Milan, comment on reconnaît le Milan, Lucas? Parce qu'il a la queue arrière, elle est en V, comme ça. Ça fait un taille en pointe. Et on en a vu beaucoup ici? Ouais, il y en a quelques-uns, hein. Il y a pas mal de buses et tout, des faucons, mais plus... Ça fait un moment qu'on n'a plus vu les faucons. Plus là-bas. Quand je te prends comme ça à la Michael Bay, Lucas, ouais. On dirait les mecs dans Bad Boys. Yeah. Ah, ben t'es, on arrive sur une barrière, Lucas. Du coup, est-ce que je gueule? Non. Les gars, eh ouais. J'ai même pas besoin de retourner la caméra, vous voyez de suite que je suis en colère. En bas, il y avait la même barrière que ça, il est passé deux randonneurs avant nous. Eh ben messieurs, ils ont eu la flemme de refermer. On n'a pas la force de les rattraper pour leur casser les jambes, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein. Ah, c'est pas trop compliqué. je sais pas, moi, putain. Après, une vache dans le village ou quoi, tu sais. Après, t'as plus le droit de passer, voilà, toujours à cause des cons, mais... Il nous reste 80 km à faire. Et on pète le feu, quoi. On pète le feu. Le quatrième jour, il a été révélateur, je pense. Ouais. Alors, on n'était pas très loin de l'église Neuve d'Entraigues. Ouais. On a marché, on est descendu par un très très beau chemin. Et là où vous voyez qu'on n'est pas fada, c'est qu'on s'est dit tous les deux, ça fait chemin médiéval. Ah oui, oui. Et un kilomètre plus loin, tu m'as dit, regarde sur le panneau, oui, il avait écrit chemin d'Artagnan. D'Artagnan, oui. Sur la trace des chevaliers. Quoi. Donc ensuite, Lucas, le nom, c'est toi, parce que j'ai oublié, on est passé à la cascade de... De Chaux, là. Chaux. De Chaux. Chaux. Comme ça, là, ouais. De la Chaux, je sais pas quoi. Qui était super belle. Ouais. Où il y a une œuvre d'art. Ouais, c'est génial. On a passé un petit moment dedans à faire les foufous, là. C'était excellent, on a rigolé. Donc c'est de l'art, par ouais, exemple. Exactement, voilà. Ça m'a fait penser au parcours des fées. Ouais, c'est tout con, mais c'est hyper ludique, immersif et tout, ouais, c'est vrai. C'est une caisse avec un tout petit peu d'eau sur le dessus. Et il y a un accès, vous sortez votre tête, et en fait, votre tête, elle est prise en réflexion. C'est super beau. Ça fait un miroir beau, avec la cascade en fond, là, c'est génial. Ouais. Il y a des effets de photos et tout à faire, là. On s'est régalé. Ensuite, on est reparti. On est monté. Et on est un petit lac. Petit lac, ouais. Que vous voyez là, qui était très joli. Avec une espèce de petite base loisirs. Il y avait un petit stade qui vendait des glaces et tout autour. Le lac est super beau. C'est pareil, il y a des bancs pour manger, pique-niquer, tout ça. Grand camping à côté, ouais. Ouais, grand camping juste à côté. Et on a fait quoi, 500 mètres. Et là, on arrive cascade d'Entraigues. Et celle-là, elle est encore plus belle que la première. 18 mètres de haut. En plus, elle est assise sur le... On voit très bien les couches de basalte volcanique. Franchement, on a l'impression d'être dans un autre pays. Là. C'est incroyable. C'est, beau, C'est vraiment beau. C'est on est descendu, vous pouvez aller jusqu'en bas. Jusqu'en bas. On a fait des photos. Alors, on a appelé un resto qui était fermé le samedi, qui était à l'autre bout de la ville. Dans un sens, ça nous faisait compte. C'est un gros détour. Et là, on va descendre à la ville, voir s'il y a quelque chose de bouffé. S'il n'y a pas, on trace et puis on se trouve un spot de bivouac. Et puis on bivouac et puis on ne se prend pas la tête. Hein. Donc, c'est l'aventure. Exactement, donc on va pas mourir de faim. Les gars, cette vue splendide conclut le jour 6 de notre GR30 en Auvergne et on se la régale. Thank you.
Quelle fin de nuit. Septième jour, en effet. Donc hier, il y a des trucs qu'on n'a pas dit. Il s'est passé des choses hier soir. Il s'est passé plein de choses. Nous, on s'est quittés à la cascade d'Entraigues. On est descendu en ville. On a essuyé un premier refus sur une auberge qui était fermée. On a essuyé un deuxième refus sur un resto qui était complet. Donc on ne pensait pas manger à Église Neuve. Ouais, on a presque baissé les bras. On a presque baissé les bras. Heureusement. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'on est tombé sur, alors là on va dire son nom, sur La Grange. C'est un tout petit snack resto. Ouais, chambre d'hôte, je crois même. Chambre d'hôte, oui, tout à fait. Ou gîte, je ne sais plus. Et là ? Et là, il nous dit, écoutez les gars, je suis plein et tout, mais moi je laisse pas les gens dans la mer, donc si vous voulez, je vous dépanne, je vous fais une assiette de charcuterie, fromage ou quoi. On fait, ben, du coup, on se concerte et tout, et puis on fait, ouais, allez, nous, ça nous va, on prend une bière. Et du coup, au final, il nous a même sorti deux parts de lasagne, et franchement, c'était trop bienvenu. Du coup, on s'est fait un bon petit repas chaud, c'était cool. Donc, merci énormément au patron de La Grange. Ouais. En plus, quand il a vu nos micros, il a dit, qu'est-ce que vous faites un reportage? Donnez-moi l'adresse de votre chaîne, quand ça sort, je le diffuserai en boucle dans le resto. Ouais, c'est clair, c'est cool. Excellent. Et du coup, Nous repartîmes, mais en arrivâme, il y avait plein de spots de bivouac. Donc on s'est dit, ben, s'il y a plein de plats à l'entrée du village, il y en aura plein à la sortie. Non. On est parti au crépuscule, c'était même pas encore le coucher. Hein. Et puis il a fini par faire nuit, et puis on a continué à marcher. On a marché, aucun spot de bivouac. Et au final, en fait, on passait de champ de vache en champ de vache, et ainsi de suite. Lucas, aucun spot de bivouac. Aucun. 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 On a traversé des ruisseaux sur des ponts, tout à la lampe, de fou. On a croisé des vaches, mais à 3 mètres, et bleu, elles commençaient. On les a un peu réveillées, je pense. Ouais, c'était chaud. Et du coup, on a fait 7 km de nuit. 7 km dans un truc, en fait, regardez. On a fait quasiment 7 km dans ça. Je sais pas si vous voyez ces buts, trucs. Parce que le GR. Parce qu'en fait, on est tombé sur le seul No Man's Land du GR30. Ah ouais, c'est clair. Donc après Église Neuve d'Entraigues, vous avez genre un champ de 10 km à traverser. C'est un champ. Ouais. Du coup, vous pouvez pas poser votre tente dans un champ de vaches. D'un, à cause des vaches. Et de deux, par rapport au proprio. Quoi. Donc voilà. C'est ça. Donc au bout du bout, il y a une route. On a vu. Cette espèce de on a vu que c'était tout abandonné et tout. Ouais, une ferme abandonnée qui sert de stockage, voilà, même pas en fait. Hein, donc, Alors les amis, petite précision, on a été contacté, après avoir sorti les épisodes, on a été contacté par le gars qui tient le restaurant où on vous a dit qu'on avait mangé, qui s'appelle Michael. Et quand il a vu les vidéos, il a reconnu la ferme, donc il nous a demandé de préciser quelque chose. Cette ferme-là que vous voyez à l'écran, c'est pas en fait une ferme abandonnée, c'est une ferme qui appartient à un agriculteur. Et c'est la ferme qu'il a héritée de ses parents. Il y va chaque semaine, elle n'est pas abandonnée, il l'entretient et tout. Et en fait, il a des gros problèmes avec des squatteurs. C'est pour ça qu'il ne la propose pas aux randonneurs. Donc c'est pas une ferme abandonnée, c'est bien un agriculteur qui adore son travail, qui adore sa ferme. Et il fallait que rectification soit faite, on y retourne. Il y avait un plat. Et on s'est mis hors clôture. Vous voyez, la clôture est juste derrière nous, c'est pour ça, les vaches. C'est ça, on voulait pas se mettre. Ouais. C'est le seul endroit qu'on a trouvé. Donc, ok, c'est une propriété privée, mais on n'a laissé aucune trace. Et là, on repart, il n'est même pas à 9h. On sait que ça se fait pas, mais du coup, on a mis la tente, il devait être 23h30. Et on repart ce matin. Voilà, on sait qu'on a gêné personne, on n'a pas fait de bruit. Ouais. Du coup, sacré fin de soirée. Quoi. C'était phénoménal. Ça rappellera de celle-là. Ah ouais. Par contre, on n'a pas fait des photos, mais du coup, on a eu l'occasion de voir le ciel auvergnat dégagé. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça, parce que franchement, la dernière fois que je l'ai vu beau comme ça, c'était au bivouac Lac d'Alos. Ça déglingue, 2300 mètres d'altitude. Là, on est à 1000 mètres. À un moment donné, je me suis arrêté, je voyais Mars. Hein. Eh ben, je croyais que je voyais Curiosity bouger comme ça. Là. Non, le ciel, il était... Ouais, non, c'était trop. On voyait la Voie lactée entière, on voyait les zones sombres dans la Voie lactée, ce qui est déjà plutôt rare. Ouais, c'était impressionnant. L'avantage, Lucas, d'avoir fait tous ces kilomètres hier, c'est qu'on n'a pas à les faire ce matin. Du coup, l'étape du jour, qui était une étape de 22 km ou je sais pas quoi, s'est transformée en étape de 16. Ouais. Ça, c'est bien. C'est grave. Donc, on est à 4 km du premier lac. Alors, pour vous situer sur le GR30, c'est l'endroit où le point le plus à l'ouest où vous faites un enchaînement de 3 lacs. C'est l'orteil du bas, tu vois.
C'est ça. Pour moi, la tranche du GR30, on dirait comme un peu que l'Italie, une botte, un pied ou quoi. Là, on est à l'orteil, là, en bas. Et au premier lac, il y a Fanny qui nous rejoint. Elle a dit, les gars, je vous laisse pas partir, je fais une dernière journée avec vous. Donc, elle nous rejoint. Elle nous attend à 9h, je crois, au premier lac. Mmh. Et normalement, ce soir, à Saint-Gène-Champespe, il y a un couple qui nous rejoint aussi. Donc, ils nous suivent depuis le début de la chaîne. C'est des anciens Varois qui sont installés en Auvergne. Ils sont dans le Puy de Dôme. Excellent. Très bon programme, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir. Il n'y a plus de gros nuages. Hier, il y en avait encore quelques-uns, mais là, ça va. On va peut-être prendre les coups de soleil, même. Va s'achoir. C'est reparti. Pour la suite et presque fin de ce magnifique GR30. Je me fais tout beau pour la vidéo. Ah ouais, comme d'hab. Ouais. Nous marchâmes, parce que bah, ça fait une semaine maintenant, vous avez compris, donc nous marchâmes. Oui. Dans une forêt, blablabla, super belle forêt, truc, on a vu des champignons d'ici, de là, vous le voyez, c'était très beau. Non, c'était très beau, la forêt était très belle. Oui, très la forêt belle, était très belle. Oui. Lucas est d'accord. Et on a été rejoint. Encore. Par Fanny, qui a toujours pas de micro, donc vous la verrez bouger les lèvres, il se passera rien, mais c'est pas grave. Salut. Rejoint, oui. Avec, rejoint. Elle nous a rejoint avec des pains au chocolat. Oui. Et Fanny, elle nous a rejoint avec des princes. Merci Fanny. Et une baguette. Et une baguette. Ouais. Et une baguette. Et là, on est au lac du Creusot. Non, lac Régur. Le Creusot, c'est en Bourgogne, ça. Lucas, blague à part, parce que toi, tu vas être un peu plus sérieux que moi. Ouais. Comment fut la forêt de ce matin? Comme d'hab, magnifique. Ah, mais on a dit qu'on ne le disait plus. Mais pourquoi tu me redemandes alors? C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on a vu de nul pour leur parler un peu des trucs nuls? De nul? Ouais. Pas grand chose. Hein. Ouais, le bourbier d'hier soir, mais ça vous le verrez pas. Ça, ben, on leur a dit. Ça, c'était nul. Ça. La forêt de ce matin, Lucas, avec la mousse, les champignons. Ah, ouais, ça, c'était beau. Trop beau. Oh, les champignons, mais laisse tomber. Inexplicable. Je suis obligé de parler anglais. C'est un champignon alien qu'on a vu. C'est un champignon. On a essayé de. Je voulais le ramasser. J'ai dit, Fanny, porte-nous deux œufs. J'essaye de faire une omelette. Mais en fait. C'est une fleur champignon, je pense. Ah, bah tiens, ouais. Je pense qu'il était comestible. Ah, fais voir, magnifique. Lucas. Bon, là, je vois plus des reflets que le champignon. Ouais. Bon, bref. Ah ouais, non, toi, tu feras un insert, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Fanny, merci de nous avoir rejoints. Merci pour les pains au chocolat. Merci pour tout. Allez, je me casse. Ah ben. Allez, merci pour le bout de chemin, les explications. Et alors. Attends, donc, on lui a offert un thé. Oui. On l'a reçu, Fanny, aujourd'hui. Ouais. Tout. Ce matin, on s'est dit, en plus, Lucas, il a dit. Ah, même moi, je suis pas au courant. Ce qu'elle a fait, alors. Fanny, en fait. Elle a lu Minority Report, elle a lu dans nos pensées. Fanny, elle a appelé Saint-Geneste Champêtre. Elle a. Bon, je pense que c'est Champespe. Saint-Genest-Champespe. Même quand ils disent que j'arrive. En fait, on dirait que je dis les vrais noms et qu'elle dit des faux noms pour se moquer de nous. Le nom des villages ici, on dirait qu'ils sont faux. Bon. Elle a appelé. Elle a trouvé un resto. Ah, et les mecs, ils ont dit, ben non, ils ont rien réservé. Elle a dit, ok, ben je réserve pour eux. C'est les triqueurs compulsifs. À Saint-Genest-Champespe, on a un resto qui nous attend ce soir, les triqueurs compulsifs. Je crois que la dame, elle s'est sentie mal quand j'ai dit c'est les triqueurs compulsifs. Pourquoi compulsifs? Ils vont tout casser le restaurant ou pas? Voilà, donc on a le resto qui nous attend à Saint-Genest-Champespe, puis il nous reste à caler une nuit. Mm. Lavage, parce que si la vidéo elle était en odorama, je pense que vous seriez plus que deux à la regarder à ce moment précis. Non, ça sentait vraiment pas mauvais. Hein. Faut pas faire ça, quoi, c'est tout. Voilà. Ouf. Oh mon dieu. Oh. Bientôt il a l'Oscar, lui, t'as vu? C'est de l'Actor Studio, Lucas. Ah, voilà, ouais. Lucas, trêve de plaisanterie. Au départ, j'allumais cette caméra parce que tu as dit, moi, rien à foutre, je vais me baigner. Ouais. Ah oui. Ben, je te suis. Fanny, elle veut voir Lucas à poil. À poil, c'était une pizza, pas un chocolat. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pas envie de voir Lucas à poil, donc je vais peut-être poser la caméra sur la table. Mais qui vous dit que je vais me baigner à poil? J'ai des caleçons, je vais faire ma lessive, moi. Ah, poil Lucas. Tu veux des abonnés ou t'en veux pas? Tu peux dire. Beaucoup de pauses. Peu de marche, beaucoup de pauses, peu de marche, beaucoup de pauses, peu de marche. Un timing à respecter. On peut résumer cette journée ainsi. Fanny rigole parce qu'elle sait que c'est vrai. Non mais à chaque fois qu'on arrivait à un nouveau lac, c'est la journée des lacs aujourd'hui. Chaque fois qu'on arrivait à un nouveau lac, il y avait des tables et des chaises. Il fallait qu'on s'arrête, il fallait qu'on teste. Nous,
Moi, je teste le matelas, les siestes, tout ça, ça marche. Hein, ça marche bien, ouais, ça marche bien. Moi, j'ai discuté avec Fanny parce qu'on ne captait pas. Donc, on a dû poser le téléphone, on discutait, voilà, ici et ça. Et là, on arrive sur le chemin et il y a deux êtres de la même famille que Lucas et moi qui sont juste devant nous. C'est peut-être des cousins, je ne les ai pas reconnus, mais... Ouais, une troisième. Il y a un Appalache. Les copains, ça va les copains? Alors, ça broute? Ils sont trop beaux, vu comme il est beau le noir. Et lui, là, on dirait un dalmatien. Tu vois, Lucas, quand je vois les ânes avec autant de mouches autour de la figure, j'ai envie de leur mettre du bégon dessus, mais j'ai peur de leur faire mal. Quoi. Ouais, quand même. Ouais. C'est curieux, ça. Téléphone du Est. Into the wild with des ânes. C'est ainsi, en ce lieu que nous dîmes au revoir ici, à Fanny. Là où il y a la croix. Exactement, sur cette pierre. Pas là, là on ne peut pas dire au revoir à Fanny. Là, on peut dire au revoir à Fanny. 7 heures de marche pour 4 km. Ouais. Donc 3 heures de sieste. Et cette fois, c'est un vrai au revoir parce que dans 2 jours, on se tire de cette région de fou parce qu'on n'en peut plus. Fanny, merci d'être revenue nous voir. Avec plaisir. Remercie pour les pains au chocolat. C'était très gentil. Et le pain que vous n'avez pas mangé. Et le pain qu'on n'a pas mangé. Fanny nous a pris pour des canards. Elle nous a porté du pain dur. Non, c'était super. Ouais. Moi, je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Nous aussi. Deux fois. De vous avoir, alors surtout de vous avoir fait grimper en haut des volcans. Oui, parce que c'était parce pas, que ça, pas prévu. Le mollet t'en remercie. Voilà. Que dire? On se reverra dans le sud. Que dire? Si tu viens dans le sud, évidemment, on te fera voir les. T'es une argan. On est en plein tournage là-haut. Mais il va prendre son île et il va se barrer. Mais le héros, ça fait 2 heures qu'il passe autour de nous. Je sais pas si c'est un crapaud, un corbeau. Vous allez par là. Ouais. Et moi, je vais par là. Ouais. Par là. D'accord. Là, vous êtes comme dans les vidéos. C'est et ça qui est bien. On essaye. C'est important. C'est cool. Parce que je sais pas tout ce que vous allez garder au montage là, mais. Oh, plein de trucs. Il y en aura plein de trucs. Hein. Ouais. La vidéo, là, les gens, ils doivent plus en pouvoir. La vidéo, elle dure. On en est à 2 heures de vidéo. Même nous, on n'en peut plus. C'est pour ça que je me casse. Le plus compliqué, là, c'est de tenir ça à bout de bras. C'est pour ça qu'en général, les séquences, elles sont plus courtes. Parce que tu vois, normalement, l'image, elle va commencer à faire ça. Bon, ben, on va se faire un bisou et puis c'est tout. Exactement. Et ça, vous le verrez pas à la caméra. Nous, on se retrouve plus loin, au village de Las Palès. En toute intimité, quoi. Bienvenue à Confession Intime. Vas-y, squatte mon lit, toi, je te dirai. Il faut qu'on leur explique que. Ouais, explique-moi. Alors, on parle doucement parce qu'il y a des gens à côté, il est 10h ou 10h30. Si t'as l'air à côté. Fanny, ce matin. Je peux le faire en ASMR, moi? Non, c'est nul. Les filles qui font de l'ASMR, elles sont pas chauves déjà. Merci. Donc là, quand on l'a quitté, on a marché. On est passé par un petit hameau où il y avait de l'histoire de résistance et tout. C'est trop méchant. C'était super bien fait en plus parce qu'il y avait plusieurs lieux avec des tableaux. Ouais, il y avait des reconstitutions avec les voitures de l'époque, la maison qui a été cramée par les Allemands juste après que les résistants soient barrés d'ailleurs, heureusement. Avec les histoires racontées et tout. Ouais, les vieilles 4 chevaux et tout. C'était pas mal, franchement. Là, c'était pas des faibles ici à l'époque. Non, putain. Le village, c'est Las Palès. C'est pas Las Palès, mais c'est un truc comme ça. L'Espidales. L'Esplanade. Le lac de l'Espidales. À peu près. Non. C'est plus l'heure là-haut. Et passé ce tout petit hameau, à 2 km, on est arrivé à Saint-Genès-sur-Champespe. Une voie de traverse ancienne qui était magnifique. Je tiens à le signaler. Regardez cette voie de traverse. 3 km, si vous passez dans le coin, allez la faire. Lucas, il me disait, il a raison. Franchement, on pouvait tourner Le Seigneur des Anneaux ici. Ah ouais. Saint-Genès-Champespe. Saint-Genès-sur-Champespe. En Champespe. En Champagne. Normalement, Saint-Genès, c'est une fin d'étape pour vous si vous faites le GR30 normal. Moi, je vous dis un truc. Mon acolyte acquiescera. Venez à l'hôtel du Midi. Réservé à l'avance. C'est de la bombe. C'est hyper beau, tout rustique, avec des serres accrochées au mur. Grave, c'est familial. Et c'est Sylvie, la patronne. Accueil super sympa. On mange trop bien. C'est tout familial. Ah, tout fait maison, elle fait tout en fait. Elle fait le bar, elle fait la cuisine, elle fait le service. Et hôtel, donc il y a bravo, des chambres. Madame. Donc on a pris une chambre, on a mangé en bas. Et quand on est arrivé, il y avait un couple qui nous attendait, un couple qui nous suit depuis le début.
Ils habitent à 2 heures de route d'ici, mais comme on était près d'eux, ils sont venus nous voir, Yannick et Marilyn. On a bu un coup avec eux, merci. Trop cool. Ouais. Ça nous a fait trop plaisir. Ça fait plaisir de voir des Varois, c'est clair. Entre parenthèses, ici. C'est clair, c'est, cool. C'est des anciens Varois qui sont venus dans la Creuse. On est propre. Oh, ouais, ça se fait du bien. Bien. On charge nos appareils, ça c'est important aussi. Parce que c'est. Au bout de 3 jours, on était à sec. Ouais. 3 jours, c'est déjà compliqué. Bien. L'économie, c'est déjà pas mal. Hein. C'était une bonne journée. Crain, forêt. 20 bancs, hein. Ouais, fourré tout le long, super belle. Lacs, passage, des lacs de partout, passage des rivières, lacs, des petits ponts en bois. Tout était beau. Qu'est-ce qu'on a vu? Un renard, on a vu des hérons. Mm. Putain, on a vu des choses aujourd'hui. On a passé la journée avec Fanny. On a fait le tour des 3 lacs, c'était super beau. Les forêts qu'on a vues aujourd'hui, elles étaient à tomber avec de la mousse partout et tout. Ouais. C'était très très beau. J'ai jamais vu autant de mousse de ma vie. Donc, belle étape pour nous. Et demain, on va de Saint-Genès-Champespe à Picherande. Putain, j'ai retenu tous les noms, quoi. Je suis un phénomène. Franchement, là, tu m'épates. Redis-le d'un peu plus près. Picherande. C'est vraiment trop près, je pense. Quoi. Sur les conseils de Jules, Jules à la Bougeotte, celui qui est venu marcher avec nous, vous savez, le grand dadé qui a fait le PCT. Jules, en fait, il a passé les confinements ici, en Auvergne, et il nous a dit, si vous passez dans le coin, à Picherande, il y a les meilleures crêpes du monde. Et juste au-dessus, il y a une auberge, il y a la meilleure truffade du monde. Ouais, ils sont champions du monde 92-93 de crêpes et de truffades. À cette époque-là, j'étais champion de pétanque, ouais. De baby-foot, de jet-ski. Mais j'ai l'impression que tout s'est passé à cette époque quand même. Ouais, c'est ça. Il y a eu une tournée dans le monde en 93. Jules, j'espère que tu dis vrai. Parce qu'attention, des bonnes crêpes, j'en ai mangé. Ah ouais. Sinon, on te retrouve à Paris. Ça va barder. Et ça va pas barder que pour toi si on monte à Paris, je te le dis. On finit par l'hôtel du midi. On n'a pas des parts dans l'hôtel, les gars. Je pense que la Sylvia s'en fout qu'on lui fasse de la pub. Mais c'est vraiment important. Le lieu, il est beau. La terrasse, elle est belle. Le village, il est trop beau. Et si vous passez à Saint-Genès-Champespe, venez ici. Ouais. Venez au moins manger ici. Le plateau fromage, il est trop beau. C'est régalé. On l'a tué en deux. Quand elle a voulu enlever l'assiette pour la passer derrière, j'ai dit, regarde, attends, j'ai entendu mon fou. Lui mordre la main. Laisse l'assiette sur la table. Lucas, ouais, est-ce moi. Que ceci ne conclurait-il notre jour 7 de ce GR30. Je pense bien que oui. Bonne nuit, les enfants. Un câlin, une caresse, un selfie. Un selfie? Non, je veux votre numéro sur Instagram. Non, rien à foutre. Bon, ok. Après, on revient plus. Hein. Ok. Te faire soigner. Faut parler aux animaux. Jour 8. Jour 8, ouais. Nous quittâmes Saint-Genès-Champespe. Ouais. De cette belle auberge. Putain, on vous l'a dit hier soir, on vous le redit ce matin, parce que le petit-déj, il a confirmé. C'est pas le Georges V à Paris. Non, c'est familial. Ouais, c'est régalé. À l'ancienne, mais super sympa, la tenancière. Sylvie. Sylvie. Si vous tombez sur la vidéo, Sylvie, merci à vous de votre accueil.
Voilà, on démarre sous une légère bruine, neige fondue presque, j'ai l'impression. Ah, tu vois, parce que moi j'allais dire pluie molle. Ouais, pluie molle, ouais, ouais, ça dépend. Ça cette pluie qui mouille pas. Pluie normande un peu, tu vois. Pluie normande, ça nous a fait manger ça. On vient de passer devant le lac de la Landie qui est juste derrière là. Et on se faisait la remarque. C'est rigolo parce que des fois Lucas il me dit des trucs auxquels je pensais, des fois je lui dis des trucs auxquels il pensait. Et là il me disait que on marche beaucoup plus vite sans les bâtons. Et tout à l'heure je me disais ça fait presque 3 jours qu'on marche quasiment sans les bâtons. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on s'est fait les jambes et du coup le corps il balance et on a l'impression de dérouler plus, donc on les ressort de temps en temps, mais ça veut dire qu'on s'est fait les jambes. Hein, sur le plat, ouais, c'est pas forcément utile, c'est plus pour les descentes et les montées, quoi. Aujourd'hui on voit le lac Chauvet. Ouais. Et ensuite on. C'est le dernier, je crois. Après on en voit. Le dernier lac. Et après. Et on va à Picherande. Et ouais. On a notre ami Jules, comme on vous le disait hier. Notre ami Jules qui nous a conseillé de manger une crêpe à Picherande. Et ensuite on continue encore 5 km jusqu'à l'auberge du Tarafé où on va manger une truffade. Histoire de prendre des forces avant l'ascension. Ouais. Donc voilà les amis, pour nous le moral il est toujours là, c'est peut-être parce qu'on est deux. Mais on se la régale, vraiment. Ouais. Petite pause, après 2h10 de marche, on a fait 9 km. Donc depuis ce matin, on marche bien, c'est soutenu, ça bombarde. Ouais. On est à quoi, Lucas? On est à 3-4 km du lac Chauvet. Chauvet? Ouais. Et ensuite, on retourne à Picherande. Et Picherande, je pense que c'est par là. Et, ouais. Et peut-être même qu'on l'a aperçu tout à l'heure. Ouais. Et on fait une boucle là, et après, on revient sur Picherande, qui est un peu sur la crête. Là. Il tombe 2-3 gouttes, on ne sait pas trop si c'est la pluie qui vient des arbres ou si c'est la pluie qui vient du ciel. Ouais. Bah, c'est la même, hein. Ouais. C'est bon ce que tu manges, Lucas? Ouais. Pas dégueu. Cliff Bar. Petite Cliff Bar, on vous les a montrées. Les petites Cliff Bar, elles sont excellentes. Ouais. Marguerite, Simone et Gertrude, tout va bien? Je ne sais pas si le Saint-Nectaire qu'on a goûté hier, il venait de vous, mais on s'est régalé. Ben non, c'était le salaire. Ah, bah alors le salaire, ce qui venait de vous, ben on s'est régalé aussi. Les filles, on s'est régalé. Voilà, je tiens à vous le dire. Vous vous faites pas traire pour rien, quoi. C'est vraiment un régal. Merci. Merci du fond du cœur. Tu me dis ce que tu en penses? Ouais. Tu me dis ce que tu en penses? Ouais. Le moins joli, d'accord? Ouais. Je te dis pas le plus vilain. Le moins joli de tout ce qu'on a fait depuis le début du GR30, c'était l'étape de Saint-Gène jusqu'au lac Chauvet. Ouais, il y a eu quelques passages tunnel végétation que j'ai aimé. Voilà, mais ils étaient courts. Parce que sinon, il y a eu pas mal de routes et pas mal de pistes après. Oui, c'est vrai. On s'est arrêté au lac de Chauvet, du coup. Ouais. Petite sieste. C'était tout gris, mais voilà, c'était petit repos. Le lac privé, on ne peut pas se baigner, pas de bivouac et pas le droit de faire du vélo tout autour. Pas le droit de faire grand-chose. Et les infos que tu as lues, Lucas? Bah, c'est un lac d'explosion comme l'autre, là, le Pavin. Là. Pavin. Pavin. Oui. En fait, c'est la lave qui est remontée. Elle a rencontré soit une rivière à l'époque, soit une nappe phréatique. Et au contact, l'eau et la lave. En fait, ça fait un cratère de. Je sais plus comment il mesurait celui-là. Enfin, ça a explosé, ça a dû répandre des trucs sur des centaines de kilomètres. Et voilà, et après, à force, avec le temps, ça s'est rempli d'eau. Et celui-là, il fait 73 mètres de profondeur, je crois, un truc comme ça. Il est moins profond que Pavin. Oui, et ils disent qu'avec le temps, tous ces lacs là qui en Auvergne, ben, ils vont se reboucher avec les alluvions et tout, des pluies, la terre qui rentre dedans, tout ça. D'ici 15 jours, à peu près, il n'y aura plus de lacs. Ouais, donc venez vite en Auvergne. Non, ne dis pas venez vite en Auvergne, les Auvergnats, ils vont nous ruiner. Non, ne venez pas vite en Auvergne, mais venez quand même. Eux, tu sais quoi? Oh, vous êtes encore pire que nous, en fait. Il faut, vous savez que c'est beau chez vous, mais il ne faut pas qu'on le dise pour pas que. À sortie du lac de Chauvet. Ouais. On s'est autorisé une petite coupe. Ouais. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on va plus loin aujourd'hui, l'étape est un peu plus longue. Et surtout parce qu'en coupant le virage du GR, on arrive à Picherande à l'heure pour manger une crêpe. Lucas, il a cherché sur Google. Ouais. Rien qu'on a vu confiture maison, ci et ça. Ouais, ça n'a pas l'air dégueu.
Du coup, on n'a pas mangé à midi, les gars. J'ai même pas pris une barre ni rien. J'ai le ventre, il gargouille dans tous les sens. Je me garde, j'arrive, 12 crêpes, je mange. On n'est pas loin du lac de Game. Tourbière de Game, là, tout le quartier, en fait. C'est... Il doit y avoir pas mal de flotte. On est, voilà, on est à 1100 d'altitude. Ils ont des histoires, des panneaux, c'est bien foutu. Ils ont beaucoup de panneaux, explicatifs. Rien qu'autour de nous, regarde tous les panneaux qu'il y a. Ouais, ouais. Bim, alors, bam, évidemment, bam, les, boum, bam, il y a partout. Les guidages et tout, ils sont super bien faits. Hier, ce qu'on vous a dit pour le village avec les trucs, les attaques nazies et tout, il y avait plein d'explications, il y avait un beau parcours. Encore tout à l'heure, je suis passé devant une maison et j'ai vu un panneau, comme un panneau souvent mémoratif, donc je suis allé voir et il y avait marqué ici vécure deux résistants juste avant d'être arrêtés par la Gestapo. Ils ont été tués le 6 juin 44, donc juste après, juste avant la fin de la guerre, ce qui est un peu dommage. Un peu dommage. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Lucas, et en arrivant au petit hameau, il y a 5 minutes là, au petit hameau de Chaumeil, ou un truc comme ça, ouais, c'est ça. On a vu un très, très beau château. Ouais, le château du quartier du Ravel, là, du Haut Ravel, je crois. Et ça a l'air super. On a cherché une entrée et tout, et on a vu une piste qui monte. Et en fait, il y a marqué propriété privée, défense d'entrée. C'est dommage, alors soit, parce qu'il y a là où il y avait une grue, des tracteurs, donc soit ils sont en plein travaux, et donc il n'y a pas le droit au public forcément. Soit ils le détruisent pour en faire une grange. Ou alors, non, mais non, putain, qui cause. Ou alors c'est un privé qui l'a racheté et qui se le garde pour lui, je sais pas. Bon, en tout cas, il avait l'air beau d'en bas. Ouais, ouais, très beau, ils ont refait des trucs en bois, tous les murs autour étaient bien. Il est là. Voilà, donc 1,5 km pour arriver à Picherande. Il est, les amis, il est 14h30. Nickel. Jeanne, ça doit ouvrir à 14h, de 14h ouais. à 19h, donc on est bien. Picherande, on mange la crêpe. Ouais. On attend un peu. On mange une deuxième crêpe. On attend un petit peu. Une quatrième crêpe. Et à la cinquième crêpe, on se barre. Et on a réservé ce soir pour manger. Et deux. Et 15. Et on a réservé ce soir pour manger à l'auberge du Tarafé, où il paraît, on l'a entendu de plusieurs sources du coup, qu'on mange très bien. On doit y être à 19h max, sinon. Capoute, et c'est à 5 km de Picherande, donc on est bien. On est pas mal. On est bien. Et voilà. Mais ne traînons pas. Non. Tu vois. Moi je dis, Lucas, Ancel. Ancel et Gretel ou Ancel comme les chevaux? Tu vois qu'en fait, je suis pas vraiment le seul à avoir un humour de merde sur cette chaîne. Il est fier de ses blagues, regardez, là il est fier de ses blagues. Et si je lui dis rien dans 5 minutes, il me dira, pourquoi tu n'as pas rigolé? Casse-toi de là. On nous a dit que les crêpes étaient bonnes. En effet... Elles étaient bonnes. Combien en avons-nous mangé? Une pacotille, Lucas. Non, mais en même temps, c'est des pièges ces restaurants, hein. C'est des pièges à touristes. Tu parles pas comme d'habitude, hein, tu le sais. C'est vrai? Non, ça sent en direct. C'est des pièges ces restaurants, parce que c'est des pièges. Quand tu arrives, la femme te met un panneau, et sur le panneau, il y a tout écrit maison, mais, et confiture de 6 maisons. Et moi, assez ambitieux, étant d'une nature curieuse comme Lucas, évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait? On a goûté tout ce qui était marqué maison. Et Nutella maison, il était super bon. Pour faire descendre les crêpes, on a eu droit... Un bon petit verre de verveine. Ouais, alors elle nous a dit, ouais, ça descend tout seul. Oui, pour descendre, ça descend, mais tu le sens descendre quand même. Mais madame, la verveine, elle est pas trop forte? Elle a dit, mais non, elle a 55 degrés. Mais franchement, on la sent pas. Putain, ça... elle nous a tué, quoi. J'ai la bouche et les dents, je croyais qu'elle s'était tombée, quoi. L'auberge du... Du Farfadet. Non, du Farfadet. Faralet. Ah, tu croyais, mais en fait, c'était pas... Bref, par là-bas. Du Tarafé. Ouais. Ah ouais, voilà. Ouais, en 3-4 fois, on y arrive en général. On n'est pas trop Nîmes, éponyme, tout ça. Non, on n'est pas trop grand-chose, nous, Lucas. Non, à cette heure-là, plus trop. Et en passant, on a vu cette œuvre de pierre. Superbe monolithe. Les gens ils vont se dire, mais ils sont raides pour de bon, ils ont pas bu qu'un verre de verveine. Alors, moi, je voulais en prendre un pour deux. Il fait, mais non, on prend chacun. Vous débarquez, la fille, elle vous dit, oh, mais le verre, il est comme ça, vous en prenez un pour deux, vous? Oui. Eh non, Lucas, ouais. Chacun. 16 heures. Au digestif. Ah non, alors par contre, là, alors ça, je le sais, il n'y a pas d'or pour la verveine. Hein. Auberge du Tarafé, où il paraît qu'on va manger un couscous phénomène. Une très bonne truffade. Alors, on est raide, franchement, on est sec.
Non, pas sec. Non, on est fatigué. Non, pas non, on est sec, fatigué. Pas sec de l'alcool. Oui. En fait, on est déjà à 21 km, donc les trois crêpes est là. Ouais. Et la truc, moi j'aurais bien fait la sieste dans la crêperie, mais elle nous a foutu dehors. Ouais. Non, donc alors le nom, les gars, c'est la crêperie chez La Jeanne. Ouais, ça ouvre. Ne vous affolez pas, 19, voilà. Ouais. Ça ouvre que l'après-midi, de 14 à 19, ça fait que du sucré. Mm. Et c'est des crêpes de sarrasin. Ouais. Super bonnes. Trop bonnes. Aérées, épaisses, pâte épaisse. Très bon. Tout. Confiture pas mal maison, plein de bons produits. Vous pouvez acheter la confiture sur place. Ouais. Et la vitrine, il y a tellement de guides du Rotard collés dessus qu'on voit même plus le jour à travers. Et on n'a pas pu l'acheter parce qu'on est plein comme des huîtres, mais elle vendait aussi de la brioche à la tome. Mon Dieu, mais rien que d'y penser, je me dis ça doit être trop bon. Ça doit pas être dégueulasse. En plus, elle nous a dit, mais ça, dans les sacs des randonneurs, ça tient beaucoup mieux qu'une tarte aux myrtilles. C'est des malins, ici, quand même. C'est des roublards. C'est des bons vendeurs. Hein. Non, j'étais plein, sinon je n'aurais pris une. Une brioche à la tome, ça. Si on avait écouté tous les vendeurs qu'on a croisés, on aurait déjà 600 hectares en froid dans le sac, 4 pots de confiture, ça aurait été une autre aventure quand même. Donc on peut dormir devant l'auberge, on a demandé à la dame, elle a dit oui très gentiment. Ouais, top. Et demain matin, on sera à 8 km du sommet du Sancy, avec une météo normalement clémente. C'est 27 degrés, soleil à midi, couvert un petit peu avant, mais soleil à midi. Ah, un peu couvert avant. Je vais travailler les cartes ce soir. C'est comme les degrés de la verveine. C'est je vais regarder les cartes pour trouver un issue de secours au cas où. Casse-toi, qu'est secours. Le secours à coup de pied au cul, ouais. Oh. Demain matin, Sancy, à 6h du matin. Hein. C'est pas toi le chef. Casse-toi de là, espèce d'ivrogne. Elle est fanée. Alors, ma chère Maryse. C'est toxique, ça, malheureux. Vous savez quoi? C'est peut-être parce que ça fait 8 jours qu'on marche, mais aujourd'hui, ouais. On a fait, je sais pas, on n'est pas dans l'athlétique, hein, pour nous, on a fait 25 km en 5 heures. En fait, les arrêts, les siestes et tout, c'est ça qui fait du bien. Ouais, grave, le repos. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Amen. Alléluia. Donc on est arrivé à l'auberge du Tarafé. Il y a plusieurs personnes, comme on vous l'a dit, qui nous l'ont recommandé. Donc, accueil super sympa. Ouais. Le cadre, il est top. C'est au-dessus de Picheronde. Ouais. Et c'est le dernier lieu avant le Sancy. Ouais, en officiel. Après, vous pouvez peut-être trouver du bivouac à ras de la réserve, mais à vous de voir. À l'auberge, donc, si vous appelez. Donc, faut appeler d'ailleurs pour réserver. Et la dame nous a laissé nous installer la tente juste derrière l'auberge. En ouais. Fait. Juste derrière, il y a la grange là que vous voyez derrière avec les tracteurs. Et il me dit, ah, il y a un peu de gazon derrière, vous mettez là. C'est top. Pas de problème. Okay. C'est nickel, top. Franchement. Donc, on est installé, on va aller se péter le bide. Il paraît qu'ils font des truffades de l'espace là-dedans. Ouais. Alors, dedans, il y avait 2000 personnes et nous, là, avec la tente, on est tout seul dehors. Ouais, ils sont tous au gîte. Ils crèchent tous dans le gîte en fait. Picheronde encore, joli village. Mais oui, alors là, oui. Pour le coup, on a croisé que des beaux villages. Ouais, que des beaux villages, ouais, c'est vrai. En bon état, bien retapé. Des on super voit pas églises. Mal de trucs se faire retaper, c'est cool. Ouais. Et, enfin, le coin, il commence à être un peu hype, apparemment. Quand tu sors des mots anglais comme ça, j'ai envie de bouffer les pissenlits par la racine. Non, c'est quoi, des jonquilles, ça? Ça, c'est des pétunias. C'est tout, pour nous. On va aller manger, là. Il est 7h-10. C'est notre avant-dernier jour. Demain, il est juste là derrière. Demain, on fume le Sancy. Et tu sais quoi, Lucas? Il y a un truc qui est rigolo. On en a parlé tout le long sur ce GR là, c'est que quand vous démarrez, et quasiment tout le GR, vous avez toujours le Sancy en point de mire. Ouais, ça c'est cool. C'est rigolo parce qu'on le voit sous. C'est le point final et en fait vous tournez autour tout le long et vous le voyez tout le long. Sous différents angles, ouais. Bah, à différentes boucle, en fait. Distances. Donc, c'est bien, ça fait une boucle, mais le point, la cerise sur le gâteau. Elle est au milieu et vous tournez et tout le long vous dites ah, on va finir là-bas, on va finir là-bas. En fait, comme il y a c'est des cool. Gros plateaux et qu'il y a de la vue tout le long, on voit le sentier. Ça, c'est, c'est un bon sentier. Du coup, on a rigolé tout le long parce qu'on s'est dit on dirait Sam et Frodon et on dirait qu'on va dans le Mordor, tu sais, tout le long, on guettait Mordor. Et on arrive Sauron. Voilà, les amis, ça conclut notre. C'est quoi le numéro du jour? Le 8e, je crois. 8e jour. Sur le GR30. Yes. Tour des lacs et des volcans d'Auvergne. Et on se la régale. Maintenant, c'est l'heure de la truffade. La truffade. De la bière, de la truffade. De la truffade. Allez, Gertrude, serre-nous encore de la truffade.
toujours neuf. La truffade de l'auberge du Tarafé a eu raison de nous. On est rentré dans la tente, on a dormi 10 minutes après. Mais on a quand même décidé de se lever tôt. 5h. 5h. On a décidé hier soir de ne pas faire le lever de soleil en haut parce que... Et on a bien fait parce qu'en fait, il y a des nuages, donc le lever de soleil, c'est pas possible. Ils sont arrivés d'un coup, tu as vu, on est sorti de la tente, il y avait le ciel de fou avec des étoiles partout. Après, il a plu cette nuit un peu aussi, un petit peu. Oui, il a plu, ouais. Léger. Et puis là, merde de nuages sur toute la plaine là-bas. On voit les puits qui sortent des nuages et tout, c'est trop beau. Magnifique. Le petit rose qui arrive du soleil. Ouais, ça va être beau, là. Là, on commence à prendre un peu de hauteur. Donc, ascension du 106 ce matin. Ouais. Forcément, hein, cette étape, elle va être plus courte en vidéo, je pense. Parce qu'on va peut-être pas filmer toute la montée et tout. Non. On vous fera montrer les beaux points, le sommet, si on voit quelque chose. La redescente, ça va être joli aussi sur Mont d'Or, en rouboule. Oui, la crête qui redescend, ouais. En haut, quoi qu'il en soit, on a vu la météo. Il fait beau vers midi. Il fait 27. Et à partir de midi, il y aura le soleil. Donc même si c'est que découvert, mais à partir du moment où il y a de la lumière qui passe, je pense que la vue va être jolie. Voilà, on est parti assez tôt. On s'est fait deux arrêts. Un arrêt gros caca et un arrêt prise d'eau. Et un arrêt ampoule. Là, je suis aujourd'hui. Forcément, ça se passait trop bien. Dernière journée, je suis en stage compide. Donc, bon, pas sûr que ce soit une ampoule encore. Ouais. Ouais, je pense quoi. Si, il a une excroissance comme un sixième petit doigt. Non, il y a un truc sous le pied. C'est peut-être pas une ampoule, on aurait dit de la corne. Avec ouais, je pense peut-être la corne qui s'est irritée hier parce que j'ai marché toute la journée avec le fond de chaussures mouillé. Je pense que c'est ça qui a un peu causé le problème en fait. Et du coup, on vous le dit avant de monter, si vous n'êtes pas sûr, parce que comme nous, on ne l'était pas, à la Morangie, c'est le dernier petit bloc de maison avant l'ascension, il y a de l'eau. Il y a un ruisseau. Il y a un ruisseau. On passe un pont en bois, il y a un beau ruisseau avec de l'eau bien claire. Ouais. Il faut filtrer. Quoi. Tu ne fais pas le GR30 sans filtre. Bah. Donc oui, il faut filtrer évidemment, et cela va de soi. Évidemment, après, vu le nombre de vaches qu'il y a dans les champs. Vous ne faites pas ce GR sans filtre. Et du coup, si vous le faites avec un filtre, il y avait de l'eau partout. On a fait tout le GR avec un litre sur nous, il y a de l'eau partout. Et qu'on est en... Et que les Auvergnats nous disent c'est sec. Ouais. Donc ouais. Quand c'est pas sec, je pense que vous marchez comme ça avec la gourde. Hop, 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 ouais. Certains passages avec même des bottes sûrement. C'est vrai. Il y en a, on a dû monter sur des murs parce que... Le passage était devenu un ruisseau, quoi. Enfin un ruisseau, un marécage plutôt. On regarde une dernière fois la vallée du Mordor. On va aller chercher l'anneau. Mais précieux. Après la pause bobo, caca, truc, ça monte, c'est pas violent, ça monte bien. Ah, régulièrement, hein, tout le long. De toute façon, ça a monté tout le long, à part quelques légères descentes. Mais je pense que c'est assez régulier, on verra, on vous redira arriver en haut. Ouais. On a vu 2-3 ruisseaux, mais on ne peut pas remplir, c'est vraiment du pipi de chat, c'est peut-être parce qu'il a plu hier, donc prenez bien l'eau à la Morangie. Et... Oula. Là, nous arrivâmes... Ouais. À la cascade de... Marqué ci-dessous. Non, je crois que c'est la cascade de la fontaine du Pré Salé ou la cascade salée de la fontaine. Ouais. C'est quelques kilomètres après la Morangie. Vous marchez dans un sous-bois. Ça, c'est pas dur à trouver. Hein. Au bord du chemin, il y a une grosse pierre verte où vous pouvez vous asseoir avec de la mousse. Et à côté de la pierre, il y a un chemin qui descend. Même pas à 50 mètres du chemin. De toute façon, vous l'entendrez. Ouais, je l'ai pas, moi. Il y a cette cascade magnifique qui est vraiment belle. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Ça fait trois cascades en cascade, c'est le cas de le dire. Hein. Et encore, là, non, là, il n'y a pas d'eau cette année. Donc imaginez, en temps normal. On est à 5 km du sommet. Ouais. Et lui, pour l'instant, il est dans les nuages. Donc on sait qu'on va arriver en haut, ça va pas être beau. On va attendre que ça se dégage pour... De toute façon, on va rester un moment en haut, je pense. Au revoir, petite cascade. Ouais, magnifique. À bientôt. Au revoir, petit cascadeur. Ça valait le coup de faire 100 mètres. On n'a pas fait de bruit.
parce qu'on s'est dit on va voir des animaux. Ouais. On a vu que leurs traces dans le sol et leur merde fraîche. J'ai entendu un éboulis de pierre, donc je pense que peut-être un bestiau qui a tombé de la caillasse. Mais j'étais pas témoin de cet entendage. Je sais pas si tu dis vrai, Lucas. C'est une hypothèse. Bon, la montée, elle s'est faite. Deux, trois petits coups de cul, mais franchement, ça va, ça se monte. Ouais, ça se monte. Il y a du vent, hein, forcément, il y a des moments où il y a du vent. Ouais. D'où arrivâmes-nous, Lucas? Bon, on arrivâmes d'en bas, là, vers le hameau, là, qu'on voit. Après, on est monté, on est passé aux pierres, là-haut. On est passé au pied de ce tamar rocheux, et après, on est redescendu, là. Et là, sur ce coin-là, juste après le lama, on a vu... Trois. Ouais, une petite source, un beau ruisseau et encore un petit ruisseau. Donc trois points d'eau déjà en montant. Alors, on a 1006 à peu près. On est entre 1006 et 1007. N'en tenez pas compte, ne vous dites pas je fais le truc sans eau. Parce que peut-être que s'il pleut pas, c'est sec. Non, hein. Mais là, on est en période de sécheresse, ça coule. Donc je pense que ça coule toute l'année. Là, on a vu trois points où vous pouvez largement remplir vos gourdes. Hein. Donc juste avant d'arriver au premier bâtiment des tire-fesses, là, vous voyez. Voilà. De la station du Super Dévolu. Non, Super Baisse, je crois, non? Ah oui. Ouais, un truc comme ça. Dévolu, c'est pas là du tout. Je sais. On a fait tout ça, on marche là, on redescend pour remonter là-bas en face, repartir. Le long de la crête, du tire-fesse, là, ouais. On est monté tranquille, ça se fait en 3 heures à peu près, en marchant. Bon, ouais, nous, on... 3 heures minimum, on va dire. On n'est pas des normaux, ouais. On n'est pas des bons modèles parce que regardez, on prend un coup d'eau, un coup de... On s'arrête, on fait les photos, et un coup de vidéo, on perd 10 minutes à chaque fois. Ça va vite. Mais je pense qu'on va peut-être avoir le sommet découvert. Hein. Mais on va peut-être avoir un peu de chance là pour une fois. C'est sûr. Ça, c'est cool. On n'est pas venu pour rien. Les gars, je sais pas, ça rend pas. On vous met, à chaque fois, on a fait des photos. Vous avez vu, on vous les a mis tout le long de cette vidéo. Là, on vous met des photos, on vous met des extraits de vidéos qu'on a fait au téléphone. À chaque fois qu'on pouvait, je ne sais pas si ça rend. Hein. J'espère que ça rend. Nous, ça nous a vraiment, vraiment plu. Hein. C'est pas fini, hein, mais ça nous a vraiment plu. Hein. Ouais, là, c'est le finish, c'est vraiment... C'est l'apothéose. Hein. Ouais, là, c'est vert, il y a encore des vaches partout, il y a de l'eau. On a mangé des... C'est quoi qu'on a mangé? Les myrtilles. Les myrtilles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as goûté tes premières myrtilles. Exactement. Franchement, c'est pas mal, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'il y ait un McDo au sommet, mais à part ça. S'il y en a un, je le fais sauter à l'explosif. Ah, foutre. Espèce d'anti-McDo. Ouais, d'accord. Mangia mialda. C'est beau. On repart, Brian. Eh ouais. On a encore un peu de route. Zen. Toi, zen, ok. Ne sois pas énervé, Lucas. Zen. Zéro personne. Ouais. Jusqu'au col. Laisse-moi. On est en train de le perdre, je vous le dis. Zéro personne jusqu'au col. On va arriver au col. C'est les stacks plage. Non, mais non, il y a moins de monde dans les stacks. J'ai été en juillet au Mont-Saint-Michel. Il y a moins de monde que ça. Tu sais où j'ai vu autant de monde, en tout cas? Disney. Disneyland. Mais pourquoi il y a une téléphérique qui va jusqu'en haut, les gars? Il y a des millions de personnes. C'est la queue. Mais le truc, il va être défoncé, les gars. Les marches en bois, le sommet qui est tout fin, la crête qui est toute fine. Mais dans 10 ans, il n'y a plus rien. Dans 10 ans, il fait 20 mètres de moins. Vous pouvez pas laisser autant de gens y aller, quoi. C'est pas possible. C'est interdit, ça. Et puis là, on est redescendu par le passage. À l'entrée, il y a marqué passage dangereux. Seule personne expérimentée, équipée. On croise des gens en sandales, en portant des bébés. C'est des gens qui sont en surpoids, qui sont au bord de la crise cardiaque. Ah lui il m'a dit au moins 10 fois, lui allez, mais regarde, ils vont mourir. Non, attends, il y a des gens qui sont au bord du malaise. Lucas, les marches, c'est des marches, c'est pas ouf, hein. Si vous passez pas dans le vide, mais il y a des marches, elles doivent faire 60. Ouais, c'est ça, tu te casses les jambes. Voilà, le sommet il est là, ça descend là. Et encore il y a moins de monde, hein. Et on s'est arrêté vers là où vous voyez les gens au fond. Ensuite, par contre, on repart, là de suite il y a moins de monde, hein. Et on longe la crête. Ouais, tout en bas. Tout là-bas, voilà. Jusqu'ici, tout là-bas, on repasse dans la forêt et on descend à la Bourboule. On est à 11 km de la voiture. Ouais. J'ai failli tomber. Il fallait qu'on fasse un point ici pour que vous compreniez pourquoi on ne l'a pas fait en haut. Ouais, c'est trop de monde, c'est pas possible. Alors si vous partez du village comme nous tout, la montée elle se fait, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. On est parti 6 heures du mat aussi. Mais en haut, là, je vous jure, là, vraiment, je vous jure,
En fait, le promontoire. Ah, tu vois, il y a un hélico. Ah ouais. Un hélico qui vient de descendre. Ah ouais. Ben oui. Non, mais c'est sûr. C'est et tout à l'heure, quand on était couché, j'entendais des gens gueuler. Hein. Gueuler. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, donc ça sent l'accident, voilà, par exemple. Le promontoire, vous le voyez, on a fait juste une petite image. Le promontoire, mais c'est quoi? C'est épaule contre épaule. Épaule contre épaule. Ouais. Et même là-dedans, écoute-moi, en descendant, j'ai pété les plombs. Il y en a un, je ne dis pas que c'est un Parisien, j'ai pas dit que c'était un Parisien, hein. je présume. Il doublait les jambes dans le truc, tu sais, comme s'il était dans le RERB, tu sais, il se mettait voie de gauche, voie de droite. Ça t'aime pas ça? Ça, écoute-moi. Est-ce qu'il avait son ticket au moins? C'est ça que t'as regardé ou pas? Ah, ça me met la folie, moi. Les gens qui doublent dans les escaliers, ça me... Toi, il n'y a plus rien qui t'énerve. Toi. Non, GR, moi je regarde les monts du Cantal en face. Voilà, ah, c'est oui. Super. Bah, moi, je suis détendu. Oui. Tu vas te faire un ulcère, toi, à force d'être énervé contre les gens. Pop. Moi, tu sais, je suis très détendu. Moi, je regarde le paysage. Regarde. Moi, l'ulcère, il n'est pas pour moi. Le lac de Chauvet où on était hier, tu vois, superbe. Voilà. Oui, bon, ça, tout ça, vous l'avez vu. On a 100 km de point de vue. Non, mais attention. Il faut relativiser. Là, c'est ultra, ultra beau parce qu'on est sur une montagne, on est à 1008. Ouais. C'est tout vert, il y a des rochers. Voilà. 360 tout le long, quasi. Tout le long, en plus. Il y a plusieurs points de vue à 360 qui sont très beaux. Donc, non. Ah. Franchement, non. La météo, ça va, les clémentes. Oui, il fait frais. On n'a pas eu de pluie. Mais on a juste eu des nuages. Le monde. Ouais, au sommet, il y a un peu le brouillard, un peu. Ouais, on en a eu un peu, ça va. Ça s'embrume, 5 minutes après, ça se découvre, ça fait ça un peu tout le long. La lumière s'éteint déjà. C'est la dernière séance. C'est sur cette air de Michel Jonas que nous nous quittons. Et ouais. On se quitte, on vient de filer pourri ce tronc d'arbre. En même temps, il est au sol. C'est qu'il est mouru. On finit le GR30. Mmh. On est au Capucin, là. Ouais. On est à, je sais pas, on est à peu près à 10 km de la voiture. Eh ben, tu veux que je te dise? Eh ben, moi, je suis ravi. Pareil. Le top. Franchement, je pensais pas que ça se passe aussi bien, moi, tu vois. Je partais pas convaincu, moi. Quand les mecs ils te disent, ouais, vous allez voir l'Auvergne, c'est beau, c'est vert. Mais ok, on te l'a dit, mais tu peux pas t'imaginer tout ce qu'on a vu. Non, c'est clair, les arbres, les forêts, les rivières, tout ça, hein, c'est ouf. C'est hyper sauvage, c'est hyper plein de charme, les villages, ils sont trop beaux. Tout était parfait, franchement. Ouais. Il y a eu quelques sections avec un peu des routes ou des pistes, mais bon, c'est inévitable. Voilà, après, on traverse la France, hein, donc... Non, franchement... Il n'y avait rien à jeter. Non. C'est un ultra beau parcours. Ouais. Très bien étudié, très bien vallonné, ça monte, ça descend, ça monte. Les premiers jours, vous allez faire plus de 700, trois fois d'affilée, ok, mais franchement... Ouais. Ça, c'est bien, la région elle est bien tracée, vous pouvez faire des kilomètres et voir des beaux trucs. Moi j'ai un regret, ceci dit, c'est que vous savez que si vous cherchez des perfs athlétiques, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, il y en a d'autres qui font ça mieux que nous. Nous ça on ne le fait pas, nous ce qu'on fait, on essaye de vous raconter une histoire et de vous faire découvrir une région. Mmh. Du coup Lucas, je me dis, au lieu de le faire en 9, ben, j'aurais préféré le faire en 13 ou 14. Ah, ouais, et par exemple, tu vas m'arrêter à Saint-Nectaire 2 jours, m'arrêter à Murol 2 jours. Les châteaux, tout ça. À Besse, ouais, m'arrêter 2 jours. Ça aurait pas été le même GR parce que là maintenant on est en forme, on finit, là on monte les côtes et tout, on est super bien, le corps, les cuisses, tout va bien. Ça aurait pas été la même sensation physique, mais on aurait plus profité. Ouais. En fait, tout le long, on s'est dit on reviendra. Ben, le prochain. On peut le jouer plus cool. La prochaine fois, on peut le faire c'est GR comme vacances. Ça qu'on corrige au fur et à mesure les choses. Ouais. C'est bien. C'est bien. Voilà, on n'a pas grand-chose à vous dire. On vous l'a dit tout le long ce qu'on ressentait. Mm. Moi, je remercie les Auvergnats. Mais ouais. Vraiment. L'accueil était top. Putain. Encore tout à l'heure, on a croisé une femme qui s'est mise à nous parler et tout. Alors, ça vous a plu la région? Bah ouais, carrément. Donc, on lui a expliqué tout ça. Elle était contente. Elle nous a même encore donné des autres coins à faire parce qu'elle nous a dit ça aussi, c'est trop beau et tout. Donc merci à tous ceux qu'on a croisés. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'était génial, franchement. C'était une belle aventure découverte, sportive aussi, et relationnelle surtout. Ouais. Et ça, c'est... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais en même temps que la femme, on a vu, regardez, il y a la photo à l'écran, on a fait une photo avec eux, on a vu des membres de la page qui nous suivent depuis super longtemps, on s'est assis,
On a entendu « Oh, c'est quoi ça, le Marseillais ?» Il y avait plein de monde et tout, on s'est retourné, le mec est arrivé, il nous a serré la main. Ouais, grave. C'est pas un type qui est sur YouTube, on a pris la photo et j'ai oublié de leur demander leur prénom. Ouais. Mais vous les voyez ici, donc si vous vous reconnaissez, on vous embrasse. Merci d'être venu nous voir, parce que ça nous fait hyper toujours, plaisir. Ouais. Venez nous voir si vous nous croisez, il n'y a pas de problème. C'est clair. Un mot quand même pour remercier tous nos sponsors depuis des années qui nous ont aidés, qui nous ont aidés de plein de façons différentes. Il y a la liste complète qui est affichée à l'écran, là, des logos, mais vous les connaissez, il y a Zipax, United Equipment, il y en a eu plein, il y a eu Ruvivon, il y a eu Nightcore, il y a eu plein de sponsors. Il y a le sponsor particulier dont on vous parle à chaque fois, je vous le redis, lyophilisé.fr, qui vend du matos et des plats. Et avec le code TREKKER10, si vous l'utilisez, vous avez 10% de remise sur tout le site et ça nous aide. Donc, il y en a plein qui l'ont fait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci à ceux qui participent et qui nous aident dans ce sens-là. C'est ça. Cool. Que dire, moi, à chaud comme ça, c'est dur. Hein. Le débrief, il faudrait le faire. Ouais. Moi, je voulais juste insister sur les Auvergnats. On a eu des accueils de fous. Ouais. Tu vois, la mamie à l'hôtel du Midi à Saint-Jean-Champestre. Ouais. Putain, mais là-bas, c'était vraiment le top. Ouais. Et hier. C'est vraiment la France profonde. Ouais, c'est clair, génial, c'était en fait. Trop bon. Ça et fait hier, du bien, quoi, parce que, ouais. À l'auberge du Tarafé, ouais. La truffade. La truffade, ouais. Ouais, elle était meilleure que la première. Et quand la femme, elle passe, les gars, bon. Vous êtes à deux doigts de tomber dans le coma. Comme ça, et la femme, elle passe, elle dit « Ça va? Il manque pas trop de truffade, de charcuterie, je vous rajoute quelque chose ?» Quoi, l'assiette, elle est comme ça. Même les décos des restaurants, c'est souvent des brocantes. Il y a plein de vieux outils, des paniers escargots. C'est magnifique, franchement. Ouais, tout était beau. Ouais. Les églises, elles sont super belles. Plein de charme, en fait. Voilà, c'est ça, du charme. Partout où on est passé, ça avait du charme. Et ça, c'est méchant. C'est hyper immersif pour rentrer un peu dans la culture locale et tout. Et ça, c'est génial. Bon, la fin, là, on n'a pas gueulé tout à l'heure. Mais là, pour moi, c'est un peu un bémol. Mais après, je vais vous dire, moi, je pense être juste. Moi, pour moi, le téléphérique, il n'a rien à faire là. Si tu veux y monter, il faudrait qu'il y ait un accès où tu marches pour aller en haut. Si, par exemple, tu vois, si demain... Et si tu n'as pas les capacités, par exemple, ben, tu le regardes à la télé. Parce que si demain, je veux faire l'Everest, Lucas, moi, je n'ai pas les capacités, donc je le regarde à la télé. Mais je ne voudrais pas qu'ils mettent un téléphérique pour que je puisse monter en haut de l'Everest. Non, mais tu vois, le massif, mais il va se faire défoncer s'il y a autant de gens qui passent tous les jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, ils ont déjà fait des travaux pour la montée au Sancy, là, le pic. Il y a quoi, il n'y a pas longtemps, hein, ça a déjà morflé. Donc, Ou comme tu me disais en Espagne, ou en bas du téléphérique, tu mets des quotas, mais putain, c'est dur. Ou alors tu leur dis, grand, tu veux monter, il y a trois, quatre façons d'y aller. D'en bas, ben, tu montes. Et en bas, tu ouvres un snack qui vend de l'eau et faut que tu ailles chercher le sommet. Tu peux pas. La vue d'en haut, elle est magnifique. Bah, c'est la plus belle vue du département, hein, ou de la région même, je pense, hein, de toute façon. Ça fait presque Alpes, hein. C'était pas mal, hein, franchement. Là, c'était très beau. Et vert. Tout le long. On remercie les membres. Membres. Alors, je crois que pendant l'aventure, il y en a eu en plus. Donc, on ne peut pas tous les citer, du coup. Mais du coup, les noms sont affichés. Donc, merci aux membres. C'est cool aussi, vraiment. Et voilà, on repart avec la tête pleine de... De souvenirs et d'images, ouais. C'est carrément. Ça. On a aussi fait des photos et filmé pour nous. Moi, je disais à Lucas, je marche, j'ai peur d'oublier certains passages. C'est tellement c'est beau, du coup. Ouais. On faisait des photos même pour nous. Mais j'ai dit, attends, il ne faut pas que j'oublie ça. Ouais, je me suis régalé. Belle aventure, ouais. Putain. Ça fait plaisir. Du coup, tant que je repars dans l'autre sens, tu vois. Je te rejoins à la Bourboule dans 10 jours. Ok, mais j'y serai plus, moi. Ah, merde. Mais ouais. N'oublie pas, profiter de la nature, de la vie et poète. Je suis déphasé, ok? Non, tu le coupes, ça, c'est bon. Oui. Profiter de la vie, de la nature et surtout respecter-la. Merci pour tout, j'espère que ça vous a plu. À bientôt, les amis. Thank you.
Thank you.